Si on s'était mis à Eastchurch comme d'habitude, on n'aurait pas eu de problème. Mais il Les y a 109 étaient là en 5 109 à minutes. Eastchurch. Voilà, pour bien pour être voulu piloter un 109. Mais encore! Laissez-moi tranquille, j'entends d'apprendre à voler! Là, je suis en train d'apprendre à tirer, ça. Oui, mais pas Tu sur risques les pas nouveaux! grand-chose. Ah, ça c'est pas Bah bon. si, sur les nouveaux, c'est plus facile. Bien sûr que c'est précis! Vraiment pas pratique par contre d'utiliser la souris en même temps. Le joystick. Toi qui sont tous les deux à gauche. J'utilise la souris pour. Regardez autour de moi. Ah ouais, chaud. J'ai Mets-le pas le sur même. ton Un champignon. champignon? Ouais, voilà. Ouais, bah faudra que je fasse ça quand je serai au sol. Tu veux que je t'amène au sol? Non, merci! Ça peut s'arranger. Tu peux aller au sol plus vite que tu ne le penses si tu veux. Voudriez-vous prendre des sols? Je peux vous amener au sol. Faites le 440. Ah merde! Je veux te faire abattre, envoie Caria au 3612. Voyez Caria, ouais. T'es où là, Snacks? Loin. Ah, c'est pas un mauvais coup là. Mon côté, je teste des trucs. Me semble me tire pas dessus. C'est parti après. Ce serait une partie avant. Que si vous voulez, on oui, fait une plein de. expédition allemande vers les méchants anglais qui apprennent Quoi? à voler. Quoi? On fait une expédition allemande vers les méchants anglais qui apprennent à voler. Mais oh non, mes saloperies de boss dans la ah, piste, c'est bon, quoi. j'ai pu avoir un avion. Cool. Alors. Combien Et le que je me mange chauffeur? en gare? Par contre, Tout j'adore un le bruit bout, quand on Krasix. démarre le 109. Tu pars d'où, Krasix? Yep. Ok. Tu vois que je suis sur ma. Ah non, T'es qui là en 109? Qui est allemand? À Dieppe. Qui est à Dieppe? Je suis à Krasix. Dieppe. Qui est en 110 à Dieppe? Ben oui, je vois 210 à côté de moi et un qui vient de Ah oui! larguer ses bombes sur le sol. Ah Mais je bon? suis le seul anglais maintenant? Attends, moi je suis le 110 devant. À gauche du 109, il y en a derrière le 109. Derrière, c'était mon ancien. Ouais, derrière à gauche. Derrière à gauche, mais du coup c'est sur ma droite. Hein? Attends, ouvre ta canopée, Crisix. Non mais Ouvre ta oui, non, canopée. il est pas derrière, je l'ai vu, il est sur. Ouvre ta canopée. Pourquoi faire? Tu sais Ok, que c'est moi. donc c'est bien à gauche et pas à droite, c'est pour être sûr. Donc ouais, il est bien derrière, à gauche. Ça, c'était mon ancien 110, et maintenant je suis bien à ta gauche. Ah, c'est ton ancien 110, d'accord. C'est ce que je dis. Oui, non, mais c'était pour la blague. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je peux pas le démarrer. Oh, c'est chiant. Viens en place arrière avec moi. Propeller. Non, je veux pas aller en place arrière, je veux piloter. Ouais, allez, encore une minute avant de pouvoir décoller. On est à Dieppe, Pimo, si tu veux venir. Vous allez tous vous ramener ici et essayer de me péter la tronche, c'est ça? Moi, je m'entraîne. Non, non, moi, je tire pas sur les copains. Je tire uniquement sur ceux qui m'ont tiré dessus. C'est-à-dire pratiquement tout le monde. Mais je t'ai tiré dessus. Ah, voilà. Merde. Allez, le taxi de Snacks. Peu de quoi, là? Fais-tu une expédition? Non, moi, je m'entraîne surtout. Je voudrais bien pouvoir décoller, pas me prendre des boss à chaque fois. T'as qu'à les éviter, voyons. Moi je voudrais bien. Il ne s'annonce même pas. Et moi que je vous rejoigne d'une manière ou d'une autre ou pas? Tu t'y connais en AVE et que tu sais où on est, libre à toi de nous rejoindre. Bah c'est ça le problème, je sais absolument pas où vous êtes. Ah bah voilà. On est à Dieppe. De Ford, tu vises le sud. Et tu devrais nous arriver dessus en bas. Le sud c'est le Havre, nous on est. Moi je suis pas au Havre.
Oui, non, mais il va se gourer de route, il va arriver soit en Normandie, soit à Lille, donc c'est bon. Et là, il arrive en Belgique. Enfin, vise le sud avec la boussole qu'il y a derrière ton manche, hein, parce que... Vise celle que t'as pas calée. Je sais pas où tu vas aller. Et raquette ah. Renault pétrole. Oui, tu y frites. Déjà parti, je suis en train de... Ah, moi je traîne pas. Pourtant je vais me perdre, mais ouais. C'est parti. Je traîne pas, moi je traîne pas. Hein. Moi je me précipite pas. Hein. Oh, comment j'ai trop dépassé le MTO. Ah bah je suis à bord. Ah oui, je te vois. J'avais 2 minutes de cooldown. Ah mais non, mais tu viens juste de décoller. Oh bah ça va. Ah oui, je suis parti. Tac tac. Attends, il frite parce que je suis un vrai gentleman. Oh. Ouais. Peut-être pas le tenter. Je connais pas assez la map. Ah. Alors shift virgule, ça permet d'afficher la map et tu te démerdes pour savoir où t'es, où est-ce qu'il faut aller. Où est-ce qu'il a cassé son avion. Démerden Zizi, super. Ok, la prochaine fois on fera une petite nave, ou même tout à l'heure, si t'es encore chaud, on fait une petite nave tous ensemble. Tu repères les landmarks et tu suis comme ça, hein. C'est tout comme ça qu'on fait tout le monde. Airborne, Crysix Non, bah j'attends Ifrit. Vas-y. Ah, ok. Tu peux taxier, je chauffe. Enfin, je fais tourner les lisses. Okay. Et j'arrive. Allez, je taxie. Je sais pas où est la piste, mais... À droite. Regardez, par là où je vais, je passe devant vous, maintenant. Oui, non. Non. On n'aura pas. Vous êtes où? Planté. On est planté, oui, voilà. Non, mais la ville. Dieppe. Planté. Allez à droite. Hein. Faut aller à droite, regarde. Là, je fais une ressource parce que c'est là qu'est la piste. Je vois pas du tout où c'est. À droite. Ah, oui, à droite, oui, c'est ça, tu vas à droite. C'est pas moi qui ai parlé, non? Non! Je fais une vrille à plat. Nine. Ah oui. Oui. Vite, sortons le train. Récupérage. Récupération. Okay. Il a allumé le barbec. Non, 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 non. Regardez-moi ça, comment je récupère comme un boss. Si la technique des trains sortis pour créer du drag, hein. Cette connaissance de son avion. Dis ça à un vrai pilote, il se fout de ta gueule, hein. Mais bon, ça marche dans BMS, ça marche dans DCS, ça marche dans IL2. Je vois pas du tout où c'est super. Tu vois le Havre? Bah tu longes la côte vers le nord jusqu'à t'arriver à Dieppe. Là je vais pas me prendre un conifère sur la route. Ah Dieppe. Que je vois pas devant moi. Ou un hangar. Ah donc c'est pas du tout au sud comme vous non, l'avez dit. Non, ça n'arrive qu'à toi ça. Non mais ça c'est Ifrit qui raconte n'importe quoi, hein. Yes, bah, merci. C'est au sud de Ford aussi. Oui, techniquement c'est au sud si tu coupes la map en deux, mais c'est au sud-ouest, sud-est pardon. Globalement, c'est au sud. Bon bah je me mets en bout de piste. Alors, on lance en... Yes, bah 100% je vais me perdre, ça va être super. Bah au milieu de la mer, si tu te perds, ça va. Bah tu remontes le Tarn. C'est sûr d'y être. Je suis venu pour piloter avec vous et vous barrez à Dieppe. C'est super ça. Reste là-bas, nous on vient de Dieppe, on va venir. On se retrouve au milieu de la mer si tu veux. Ça va être pratique pour surpérer. Ça me semble être une très mauvaise idée. Il y a un 109 en bout de piste là qui s'aligne, mec qui traîne. Virages, bon, il reste que 1 heure, hein. Faudrait peut-être pas traîner. Ouais, 1 heure, mais non, mais moi j'ai toute la nuit. Non, il reste que 1 heure dans la mission avant que ça, le serveur reboot. Hein? 59 minutes. Donc ce serait bien de décoller, hein, bon, s'il vous plaît. J'ai passé sous les oui, hangars. Mais j'ai compris, ouais, Snax. Ifrit. Allez, Ifrit, allez. Ah bah je m'en vais, allez, au revoir. Ou plutôt non, Ifrit, viens avec moi, il faut abandonner ceux qui traînent. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'ils apprennent. Allez, hein, Ifrit, je décolle. Hein. Vas-y. Moteur là. Mais on est allemand, hein, on n'aide pas les faibles. C'est vrai. Ah, scheisse.
un deuxième avion là. La chambre à gaz, Ifrit. Oh, sérieux. Tu parles de tes projets de bombardier, Bah, Airborne, Ifrit, je te vois pas. Ah oui, visuel. Oui, oui, c'est Ifrit qui décolle, là. Oui, oui, j'ai pas encore chargé. Je bon, tu fais la nave, je te suis. J'ai envie de faire un peu de PS, moi. Tu laisses la nave à Chris X, fais gaffe. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, Chris X, tu fais la nave. Ah bah, c'est bien, bah, c'est parti. Alors, c'est tout droit. Ok, oui. Parfait. Vitesse. Ah, je vais cramer mon moteur. Abrutix. Ah, je ne suis pas des faibles, hein. Vitesse... Non. 352, oui, tout à fait. En PC Mini. Comment? Oh, rien, je disais des conneries de BMS. Ah. 352 PC Mini. Ça veut dire t'as la post-combustion minimum, quoi. Ah oui, non, PC, j'avais pas entendu. Très bien. PC, oui. Personal Computer PC. Minimum. Il est au minimum, il a même vu qu'un tonnerre. Il monte bien ton avion, le 110? Je suis chargé à bloc, hein. D'accord. Alors... Ou je dois aller plus doucement. S'il vous plaît. C'est-à-dire vitesse à combien? Je suis à moins de 300 là, 280. Oh, saut. Mets-toi à 250 tant que je te rattrape et monte pas trop fort. Là, on monte à 15 mètres secondes. Oh, ça y est, j'ai réussi à passer les hangars. J'ai joué. Ouais, j'ai vu ça, bien joué. À 250. On approche de Ford. On approche, genre on est à moins de 10 nautiques en finale déjà, tu vois. On approche, yes. Nous venons de quitter les territoires ennemis. Les côtes de craie de fromage pour rejoindre la mer Baltique. C'est à droite la mer Baltique. Et Non, je pense qu'on est bon là. À vue de nez. Ouais, par là, c'est bon. On arrivera à la côte, on corrigera la côte. Ouais. Par contre, tu vois, tu peux ralentir, hein. Moi je suis derrière et tu me distances, hein. Un peu trop vite, hein. Ah, je suis à 250, là, 240 maintenant, là, tu me distances. Vous suivez la côte, là? Non, non, on est parti, nous, on a plus de côte. Non, non. C'est pour les faibles, ça. Voilà. Nous, on utilise les techniques moldaves. Techniques modernes, même. C'est là que le mec il sort un bout de ficelle, un crayon. Technologie moderne. Les techniques des modèles d'app modernes. C'était pas comme ça qu'on bombardait d'ailleurs. On avait pas une... Les Anglais avaient pas des ficelles colorées. Voilà, dans le Blenheim, ouais. Ensuite il y a eu le. Je rappelle comment ce truc déjà. Je sais plus. Viseur du B-17, là il porte un nom très spécial. Ah, putain, Dryden ? Non, non, je sais plus. Tu peux faire un 360 par la gauche, s'il te plaît ? Ouais, ça veut dire que je vais trop vite. Ouais. Tant que tu fais 360, j'aurai le temps de te rattraper, je pense. Et fais le série, hein. Non, tu break, quoi, bien fort. Allez, break, 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 bien fort. Continue à tirer. Tu l'as pas fait très serré. Bon, en moins, du coup... J'arrive devant toi et tu n'auras qu'à me redépasser, quoi. Bon, c'est bon. Ah, y'a plus personne à Ford, là, du coup. Ah, si, y'a Willy et... Qui là? Qui à moi? D'accord. Pourquoi t'y es? J'arrive. Je suis un peu comme le Père Noël, j'ai plein de cadeaux dans mon. Oh moi. Quoi? Oh purée. Ça. C'est la guerre que tu veux. Mais est-ce que je t'ai touché? Absolument. T'es touché? Oh putain. T'as pas fait 3 km qui se tirent dessus, quoi. Putain, j'ai... Après, c'est bon, bah du coup, en faisant le con, j'ai oublié de réduire les gaz et mon moteur a lâché. Ah nickel. Ah bah bravo. Putain. Allez, ça, c'est maintenant, c'est Ifrit qui va t'attendre. Hein. Je repars et j'arriverai toujours à aller plus vite que les frites, ça j'en suis sûr. J'ai pas décollé encore. Tu vois, j'ai le temps de me poser et de repartir même, allez. Moi je vais me faire chier. J'ai dû relancer OBS. Bon ouais. Ben, je reviens alors. Normalement ça marche. Je suis en capture d'écran et j'aime pas ça.
Ok, bon, du coup, bah, je peux décoller. Ce dont je ne vais pas me priver. Alors, où est la Tamise ? Ah, ici. La Tamise, t'es sûr ? Absolument. Tu confonds pas avec la Garonne ? Ah, si. Certainement, oui. C'est vrai qu'elle a pas la même profondeur. Allez, petit 109. Non ? Ah non, balance des bombes. Il a pas voulu quitter le sol. Sort des volets, hein, à la moitié. Donc en somme, moi je vois personne. Hein. Tu es au milieu de la mer? Non, je suis au-dessus de. Je suis juste au-dessus de. Vord. Ah bah nous on est loin. Hein. Dis-toi, ça prend quand même 20 minutes en ligne droite. Hein. Si on fait pas le contre-temps, etc. Tu vois. Oui, mais je suis vraiment faire chier en fait. Snacks. Qu'est-ce qu'il y a? Si on n'abîme pas son avion. Ah, il vole mon avion, hein, je pourrais même continuer en fait. C'est juste que la durée ne tiendra pas. Des gens qui abîment leur avion? Je crois pas du tout. Le propulsion pitch. Ah merde, mon téléphone a plus de batterie. Ouais, Snacks il aime bien faire joujou. Ah ok, t'as tiré, tu as tiré dans le vide hein. Oui. Faut dire ça comme ça. Moi je fais une chose, on fait le malin. Je m'en doutais. Recharger, vite. Vite. Ah. Bon, on s'est évité de justesse, on refait pas ça, hein. Pourquoi? C'est rentré dedans. Non mais Y a très peu de chances que ça arrive. Il y a très peu de chances, c'est arrivé une fois de trop, là. Allez, je vais repartir en E1, bah, 110, bon, c'est bien, mais voilà, quoi. Il était parti où, là? Je te vois plus. Mort? T'es zigouillé? De Ifrit Airborne. Ah, t'es Airborne. Putain. Les pistes, elles sont tellement grosses que je les voyais même pas, quoi. Chercher un tout petit truc. Là, je zoome, je vois quoi? Une piste énorme. Bon. C'est parce qu'elles sont bétonnées, on est bitumé. Ah, c'est pour ça. Je cherche un truc vert. Ah, en plus, je cherche un truc vert. Mais bon. Ah, quoi. Bon, c'est le Père Noël qui arrive. Pas sur la piste, hein. C'est fou, hein. Je rebondissais un petit peu trop, hein, à mon goût. Parce que j'étais... Il y avait RM à côté de moi et du coup j'ai dû bouger mon gros cul. Voilà, bon, je change d'avion et je reviens. Allez, change d'avion. Ifrit Airborne, du coup, c'est bon? Oui. Oui. T'es autour de Dieppe ou t'es parti sans nous? Non, je suis au-dessus de toi. Where is it? Storm 5-0.
Bon, ça c'est... ça c'est Max. C'est qui a Ford? Eux là. Je suis en main gauche sur Ford là. Oh là, j'aime pas ça. Ça tremble, ça tangue. Ça fait une jolie passe quand même. Ouais, j'ai... Quoi, mais bon, belle pète. Trop ralenti dans mon virage. Tu les as pas activés. Ici. Par arme on, je sais. T'as pas mis de détonateur. C'est possible. Tout ça pour rien. Ah putain. Bah si, mais y'en a pas un de base. Non, je crois pas. Vous avez perdu, vous êtes encore au sol? Ouais, oui. Moi je roule là, je décolle. Je roule? Ah, dans 20 minutes, hein? Oh salaud! Je veux dire, tu décolles? Tu te fous de moi là? J'allais te tirer dessus! Ouais, plus sérieusement. Allez, Airborne, et je vous rattrape. Ouais, direction la mer Baltique. La mer des beefsteaks, ouais. Ou Alfrit. Alfrit. Mère Alfred, attends, ouais. C'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être un méchant ou... Où ça? Oui, il y, y a des tirs de... Ah oui, ah oui, ouais, ouais, Dieppe a été flingué. Allez, Talio. Ah, mon vaisseau, c'est Horido. Il est où? Ah oui, là-bas, visuel. Visuel sur l'explosion. Ah, il y en a plein, mais c'est des IA, non? Ouais, il bah, y en a un qui est descendu, je crois. Il fume un petit peu trop. Je vais aller le finir. Ouais, un Blenheim. Allez, je fonce dessus. Je n'ai pas de canon. Pas de shoulder shooting, hein. Oh non. Oh, c'était juste. Alors, vu l'imat, ça a l'air d'être un de chez nous, ça. Je veux dire, l'un d'entre nous. Ah non, c'est un joueur. Non, non, il a la queue blanche, c'est pas d'entre nous. Pas de visuel, je vois où ils sont. Vertical de la base, longueur de piste. TBA. Il a largué des bombes, ça pète. Fais gaffe, Crisix, dégage de là, je la ligne. Vas-y. Ailleurs, il est briqué gauche quand je tire, voilà. Évidemment, on tire avec de la pichenette là. Ah, il va s'écraser. Non, 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 il fait du haut bas. Classique. Ah, bon. Oh putain, la flaque m'a chopé. Ouais, ah, ça va. La flaque me tire dessus. Mais il se laisse pas faire, dis donc. Il y a un bombardier qui a non, Ford. T'as un de vous? Non, à Ford, je sais rien. Nous, on est à Dieppe. Et c'est bon, il est crevé. Ouais. Ouais, Ford, il est tombé aussi. Ah ben, Enyo. Comment t'as fait pour prendre la queue blanche? Le skin a merdé ou t'as fait toi-même un skin? Ou alors, pourquoi? Bon bah fait. Du coup, go, allez, go Ford les gars. Allez. Du coup, c'est c'est qui était avec moi en train de détruire le bombardier à Ford? Il y a un truc derrière moi, c'est bien quoi, joué, c'est Willy. Un Blenheim, bonsoir. Bah toi aussi. Non, c'est un 110. Salut mec. C'est moi. Pimous. Non. Ça, pourtant. Ah, j'avais bien c'est détonateur. Pimous, excuse-moi. Hein. En attendant, je vais me poser. Willy, t'as vu des bombes, non, quand tu me tires dessus? Bon, moi j'ai vu des bombes, en Blenheim là. Oui, j'ai vu des bombes, ouais. Ah, mais je suis trop rapide.
a pété d'ailleurs sur Dieppe. Les pistes sont trouées. On se rassemble sur le gros dégât du fuel dépôt là et un gros barbecue qu'on peut pas louper. On se rassemble là puis on y va. Donc il y en a un qui va tout droit, qui va vers la mer, il devrait virer à droite là, sur la côte, très haut là. Celui qui est où, hein, pas ceux qui sont TBA. Voilà. J'en vois deux qui se suivent sur la côte. Derl 110, là, c'est Pimous là en 110, fais un flip flap Pimous. Ok, bah vas-y, on suit tous Pimous. Vas-y Pimous, va à gauche. Vers la mer, break gauche. Je te suis. Ok. Calme, petit air. Voilà, on a tous passé le fuel dépôt là. Et on. Voilà. Arrête de tourner Pimous. Du coup, tu peux monter en altitude, comme ça on verra bien le terrain. Vous êtes avec nous les autres? J'ai ouais. Pris un 109, là, j'arrive. Ah bah nous on est complètement là. Ouais. Perdu par contre quelle direction? Aveugle. Direction Ford, hein, dans l'Angleterre. Ah oui d'accord. Décollage d'axe de piste, hein, c'est simple. Il y en a un qui est loin de nous là, c'est qui là, à notre gauche? En haut. Moi. On est à ta droite en bas. Et vous, enfin vous êtes deux en fait. Ça doit être Ifrit. Ouais voilà, vous êtes c'est Ifrit et Crisix. Vous voyez Pimous là, la grosse oui, tache noire? Ouais, oui. C'est pas très gentil ça. Ouais. Bah, elle m'a tiré dessus, elle m'a traité de trouillard, je vous rappelle. Elle va se retourner et tirer dessus quand même. Elle a une place arrière, hein. Je vais me mettre en dessous d'elle et pas au-dessus d'elle du coup. Voilà, en dessous de la jupe. Il y a des choses de loin, Snax. Je fais des choses, ouais. Moi ça me fait peur. Est-ce que c'est bien légal tout ça? Ah oui, elle est légale. Moi je vais vous overshoot. Oh non. Idle, tu passes idle et tu fais des S. À peu près, non? Comment ça, des à peu près? Ah, leur formation peut. Non, t'inquiète, on peut se coller, on peut même se jeter un briquet et dire bonjour, hein, et se saluer. Ouais, c'est ça la stabilité de Cliff, tu vois. Donc le 109 là, mettez le prop pitch à 10-10, enfin 10h10, et vous jouez au gaz comme ça. C'est la config de croisière ça. Ah bon? Sauf ceux qui sont traînés en train de derrière, accélérer, mais quand vous êtes avec Pimous, vous mettez le prop pitch à 10-10. T'as pas pris le skin Pimous? Du coup, il est moche ton 110. On a un beau skin, donc faut que tu les prennes. Alors, pour la prochaine fois. Ah, mon moteur, à partir de combien de RPM? 2500, là où il y a le truc rouge, de toute façon. Bonjour. Salut. Yo. Salut Skyrix. Yo. Ah, aïe. Et c'est maintenant qu'il décide de se pointer, lui. Ah oui, il était occupé. Oh, c'était dégueulasse. Je peux pas savoir. Tu lances Cliff et tu nous rejoins. Allez. Oui, bah, j'arrive. En fait, non, allez les gars, on arrête Cliff. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vous ai vu sur Cliff, j'ai fait... si je prenais un 109 et que je venais en prêtre, tu vois. Un petit peu tous en 109, du coup, mais bon. Ah merde. On est déjà en 109. Oui, il y en a 2-3 qui sont restés quand même en Hurricane. Ils sont fidèles, ouais, voilà. Et on sent un peu seul du coup. Mais 2 contre beaucoup. Beaucoup, on est juste 4. On est le double de vous, c'est tout. Moi je suis juste là pour attirer les balles. Très bien. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs contre Karaya. Qui attire les balles? Vous avez pris plein d'or? Comment? Vous avez pris plein d'or depuis Dieppe? Ouais, affirme, plein d'or. On arrive à la côte, on longera vers la gauche. Ah oui, j'arrive à Littlestone alors. Moi j'ai dépassé Wouah, on verra quoi, Wilmington, genre de bêtises là. Tu viens de me passer. Montez un peu plus haut, Pimous, pour qu'on prend. Comme ça on a de la vitesse et on arrive plus vite. Oula, doucement quand tu tires la mâche. Doucement, voilà. Tu lances le tracker après le jeu? Non. Merde. Tu veux dans X-Plane là ou quoi? Ou dans FSX?
Ouais. C'est mieux d'y aller au trim quand tu pilotes doucement, Pivouze, comme ça on peut te suivre du coup. On peut largement anticiper. Surtout que t'as un trim de... dans tous les sens, toi, on s'en dit, t'as pas le droit d'excuse là. Ah, t'as pris ce 70 là avec le canon poum poum là. Il tire... Ouais, il, a... il tire 6 canons de 20 ou de 30, je sais plus, mais c'est. C'est un énorme truc. Ah, c'est une balle dans l'avion, il crève. C'est une balle, l'avion, et l'avion derrière, il crève aussi. Alors, propre pitch, comment ça va s'appeler en français? Le réglage du pas d'hélice, non, je sais pas. De toute façon, c'était ça. Ah ouais, oui, mode de pas d'hélice, réduire, activer. Ah, tu vois? Mettre l'hélice en drapeau, c'est quoi ce portail? Ah, c'est en feather, ça existe, hein. En drapeau, c'est le terme correct en plus. Ah ouais, ok. C'est quand ton hélice, elle fait aucun drag. Du coup, tu tournes l'hélice sur lui-même. Elle est à 90 degrés. Mais c'est comme quand tu baisses le pas d'hélice, quoi, même délire. C'est bah, quand tu baisses le moteur. Imagine aussi quand t'es en train de piquer. Ah, oui, pas con. Et que du coup, l'hélice, elle t'empêche d'accélérer. Tu mets les sans drapeau et du coup, tu n'as plus de frottement et tu vas encore plus vite en piquant. Ok, ok. Bon, par contre, du coup, ton avion est désintégré avec la vitesse, mais voilà, tu vas très vite. Oui, bah ouais, c'est je suis en formation en 109. Ouais. GG. Et puis, Mousse, elle fait le yo-yo, là, ça va être chaud. Oui. Elle nous fait du frit. Je te proute. Sache que tu es dans mon viseur. Plutôt, sache que tu es dans mon fisseur. Comme ça qu'il faut le dire. Ah, ah ouais. Moi j'ai mieux. Le bumper il frit. T'as quelle vitesse? Je suis derrière. Attends que je trouve le bouton pour tirer. T'es pas en formation, Crisix. Rapproche-toi, colle-toi moi là, comme je le fais. Ah ouais, faut vraiment que je me colle. Très bien. Ah ouais, c'est ça une formation. Là, tu me suis, c'est tout hein. Il faut pas être derrière, faut vraiment être à droite. Alors du coup, il faut que tu regardes à gauche. En gros, tu dois même plus pouvoir regarder devant. Tu regardes dans mon écran à moi là, bah ça donne. Je regarde mon aile gauche en fait. Hein. Je regarde même pas devant. Et attitude? Bonne question. Je sais pas. Voyons voir. On vient de passer les 2 km là. Là, tu m'as dépassé, Critix. Fais gaffe à pas me rentrer dedans, ouais. C'est dur. C'est pas de coller, faut juste que tu sois bien en avant, en fait. Mais pas coller vers la gauche, c'est ce que je veux dire. Faut pas qu'on souche avec les ailes. Imagine, on est en ligne, c'est mieux d'être en ligne que derrière, en fait. Comme ça, moi, je te vois sans devoir regarder derrière, parce que je regarde à droite et à gauche. Si toi, par exemple, tu ne tournes pas la tête à gauche ou à droite, c'est que t'es derrière, du coup, et donc t'es pas bon. Non, y a pas de rétro dans le 109, donc... pratique de se mettre sur la droite. Voilà. Un peu dévié à gauche chez nous, là on est au 350. Ok. Ah 345 là plutôt. Vous êtes au-dessus de la Manche? Quelque part ouais, mais vraiment la grande partie toute vie où y a rien à perte de vue hein. Ouais ok. Entre Dieppe et Littlestone quoi, au loin. Quelque part. Là c'est pas mal Frit, parce que. Pas Frit Critix, parce que tu es ce qu'on appelle en FMD. J'irai voir du coup c'est quoi FMD au dictionnaire. Je crois pas que tu trouves dans le difficile de le sortir. Alors FMD ça veut dire formation de manœuvre défensive. Donc tu me suis, tu tiens une certaine position de manière à pouvoir me voir et en même temps pouvoir regarder ailleurs, sans être trop près. Et quand tu fais la même chose en t'éloignant, alors tu as ce qu'on appelle la FMA, donc la formation d'attaque. Non, la FMO, pardon, la formation de manœuvre offensive. Et là c'est pareil, mais de plus loin, comme ça tu peux voir les de très très loin ton ailier et du coup tes ennemis qui vont débarquer. Puis après, t'as toutes les formations techniques, le wedge, le sledge, le pincer, le ladder, ce genre de truc. Moi je me rappelle un screenshot là avec 4 toucans en ladder, c'était beau. Ouais, ah non, pas en ladder, on est en échelon. Oui, en ladder aussi, oui, t'as raison, en ladder aussi. Mais celui en échelon était plus beau. Les deux.
Sergent Charlie Playbo parce qu'il était pas aliasé de partout. Ouais parce que... Attends. Ouais, ok. Et t'es où, Willy? Là, il surveille de loin. Un avion de ligne au-dessus de Ford. Le mec, il est à 30 000 pieds, là, tu vois. FL300. Il y a 50 000, mec. Il perce très loin de tout à l'heure, là. Ah, mais Willy, des fois, c'est... Ah, il y a 209, là, tout ça. Bah, là-bas, il y a des pixels, là. C'est ça. Ah, Pimous a sorti le... Ah, elle va me tirer dessus. Ah. Je la vois là, je vois la fenêtre s'ouvrir, je vois le flingue tourner vers moi. Je vois la balle qui part. Vous êtes parti de où en fait? Dieppe. Alors Plymouth, ça veut dire qu'elle vole même pas là, je veux dire elle touche pas aux manches, l'avion il vole tout seul et elle est derrière. Vous avez quoi le 4B? Bah non, sur le serveur il y a des rangs, tu peux pas prendre ce que tu veux. Attends, t'es sur quel serveur d'abord? Ouais, t'es sur le bon, ok. Bah, sache qu'il y a des rangs, donc nous on est tous en E1, parce qu'on peut pas prendre les autres. Bah si, tu peux prendre le A, B si tu veux, mais bon, le B c'est que des bons. Une bombe, pardon, pas D. Ça veut pas. Bah, il faut venir voler, oui, tu sauras. Qui est devant nous, Plymouth, sur Wilmington, tu vois le début de falaise blanche, un peu à gauche? Ah, le message, quoi. Artok! Enemy Arso Fighter! C'est loin de vous là, Wilmington? Je dirais dans 10 minutes on y est là, même pas. Comment c'est ça? Bah, on voit au bout, hein, au loin. On voit sur la ligne d'horizon quoi. Ah oui, putain, ça se trouve, je vais déjà dépasser en fait. Ah! Bah on est relativement lent parce que Pimous s'est lancé en 10. Ouais, moi je suis à 450 km/h. Ah, on est à 300 nous. Ouais. Ah là, Pimous par là, c'est bien. Merde. Non, je suis en bas à ta gauche. J'essaie de okay. Vous êtes toujours à 2000 là? Non, non, on est monté à 3005 là, on continue à monter légèrement en fait. Ah, ok. Sprint, t'es derrière? Oui, oui. Fais des screenshots, Pimous, hein, si tu peux là, quand t'as en vue derrière. Oh là là. Je trouve ça va être beau d'avoir des 109 comme ça qui suivent. Tiens, Krizix, je vais passer le gauche, je vais dans l'aile droite de Pimous. D'accord, merci. Vous êtes 310, hein, c'est ça? Négat, 209 à 110. 309, 409 à 110. Ouais, okay. Tellement déchiré. Ah, vas-y, Krizix, avance maintenant. Ah, t'as pas pris le skin toi non plus, Krizix. On a un skin KJG51 pour les Salamins. Ah oui, il y a des skins. Pas des, c'est juste un skin générique que j'avais fait à l'époque. Voilà, continue à avancer, Critix, continue à avancer, très bien. Sur l'aile gauche là? Ah, je suis à gauche, ah ouais. À gauche de Pimous, tu vois. Il faut que tu sois au même niveau que moi. Voilà, parfait, t'es très bien. Voilà, tu bouges pas, et maintenant je vais me mettre dans ton aile à toi. Ah, recule, mets pas trop de gaz, ne l'overshoot pas. Pour anticiper l'overshoot, donc tu réduis direct dès que tu sens que ça va overshoot, ouais. Quoi. Ah, c'est pas facile de le sentir ça. De toute façon, c'est facile en propre parce que dès que tu réduis, ça ralentit tout de suite. Tu vois, c'est pas un chasseur style F16 et 18 là qui fait 18 tonnes. Enfin, j'exagère, mais t'as compris. Voilà. Et là, on est en pseudo échelon droit. Enfin, maintenant, il faut que tu te rapproches de Pimous comme t'as fait avant. Tu vois, ne force pas le virage, tu mets un tout petit peu. Si tu te mets directement en place, que là, t'es resté longtemps pour le virage gauche et du coup, tu te rapproches très très vite d'elle. Tu vois, n'hésite pas à prendre du temps à rapprocher. C'est mieux d'abord d'avancer et ensuite de faire le décalage. Alors je sais plus c'est quel ordre, c'est étagement, retrait, décalage. Voilà. Donc, d'abord l'altitude, ensuite tu avances, tu recules et ensuite gauche-droite. Et les meilleurs arrivent à le faire les trois en même temps. Et ouais. Je faisais pas allusion à toi, je faisais allusion à un certain pilote qui s'appelle. Putain, c'est comment? Il y a un nom de femme en plus, bordel. Tu dois connaître la guerre vue du ciel, Willy. C'est qui encore le pilote dans le bouquin, Willy? Je sais plus du tout. Et tu te rappelles, il avait un nom de femme, le pilote, hein, mais j'ai...
Et genre style Sandy, je suis plus là, Sissi, un truc en I à la fin quoi. Lori? Non, pas Lori, c'est avec DS, ça je me rappelle c'est DS. Sinon le 109 c'est quoi que c'est quoi pompe à carburant? Enfin robinet de carburant? Lui, radiateur d'eau et l'huile et voilà. Et sinon ton Aspid vient nous aider parce qu'ils vont nous défoncer là. Alors en face c'est quand même Ifrit et Crisix hein. Pimous 110 ça va pas être plus facile que tout à l'heure. Oui, j'ai raison. Ouais mais je suis pas censé connaître le niveau de mes ennemis. Bah connais ton ennemi mieux que tes amis comme on dit. Tu ne connais pas notre niveau parce que personne ne nous a encore vaincu en combat. En général, on se crache avant. On a besoin de personne pour crever. C'est ça. On peut le faire tout seul. Pas besoin d'aide. Comme l'autre là dans Scary Movie 2. Absolument en chaise roulante. Tu veux que je défais ton pantalon? Je peux le faire tout seul. Et hop, il se fait une autopipe là. On veut changer d'équipe? La déco, il reconnaît le serveur. Je sais pas pourquoi il veut pas le faire quand t'es Jack Co, tu vois. On va le faire arriver avant vous. Hein. Alors là, on arrive à Wilmington un peu à gauche. Non mais. Oui. Ah, vous arrivez au-dessus là? Allez, les speed. Ouais, à la côte. Ah, d'accord, je suis encore pas tout à fait arrivé. Wilmington est à votre gauche? Ouais, enfin, dans nos 11h quoi, on arrive dessus. Vous avez pas de canon sur le 1? Ah non. Ouf. Ah, si. Genre l'autre là. Reste anglais ça veut dire. Quoi? Il va rester anglais. Oui moi je crois que c'est ah, maintenant Pimous mettons un palier là on est très très bien cette altitude. On va prendre la vitesse maintenant. Vous êtes parti de où Willy? Dieppe. Ah Ford. En AK-19. On est resté quoi? On est resté sur Ford, on les attend. Ok. Par contre nous on est pas à 30 000 hein. Oui mais moi je prends... Prends les devants. Voilà. Et je pense que je vous vois d'ailleurs. Comment il fait là? Moi je vois même pas Ford d'ici mais lui il nous voit quoi. Mais t'es quoi? T'es en 800-600 résolution là pour voir ça ou... C'est ça quoi, le mec il a un avion, c'est un gros pixel noir. Pouf. Non même pas. Putain moi ils sont juste à côté de moi, je suis sûr j'arrive pas à les voir. Ok les X, fais gaffe quand on prend de la vitesse là, faut faire votre propre pitch, j'ai pas fait gaffe moi. Là je suis vertical Milton. Moi ouais, je vois pas du tout d'autres avions à côté de moi déjà donc alors vous. Ouais, il faut pas chercher à comprendre. Willy, tu vois, c'est un radar, c'est comme Caria. Le mec qui repère un avion 30 000 pieds, 42 nautiques, bras 125, la Angels 2, voilà. Eh, du coup, on peut pas prendre de speed si bah, le speed marque 1 seulement. Même pas le 1A. Ouais, je crois. Enfin, moi je peux, mais il faut des heures de vol. Pas beaucoup, Willy, t'en fous. Je suis passé à gauche de Pimous à Crisix. Vous en êtes où là du coup? Wilmington, on longe la côte vers gauche. Pimous va longe la côte maintenant, on revient à gauche. Et l'altitude 4,5 km. Putain, je suis sûr que vous êtes juste au-dessus de moi en fait. Pardon. Bah vous, ton micro a tellement saturé, même le micro il a pas aimé quoi. Ah fallait ton éternuement. Non, t'as tout. J'ai tout fait. Ton tête, t'as tiloté, t'as tout. Et qu'en plus la suspension de mon micro il est mort, elle est morte. Du coup j'ai foutu des cordes de guitare enroulées autour de mon micro et mon bras pour qu'ils tiennent quoi. Et vraie technique. Ouais, bah ça marche. Le briquet, le couteau et on repart à Warthog. Exactement. On a un coup de pied dans la bécane, le 109 répare. Quand on fait ça avec un speed, il aime pas. Speed il aime tout. On lui donne des coups de pied? Je crois pas. Mais pourquoi tu veux donner des coups de pied à un speed déjà? D'accord, bah quand il démarre pas. Pour le plaisir. Mais ça démarre tout le temps. Ah par contre véridique, je discutais avec un mec il y a pas longtemps qui a... Il a mis des coups de pied à un speed. Ah tu parles de speed, moi sur Instagram j'en suis un, Isaac si vous connaissez pas, c'est un pilote français chez Ryanair je crois. Ouais, pas Ryanair. Et en gros le mec il est allé à Pigging Hill et il a fait un petit tour en speed quoi, easy. Ah bah ouais. Ouais, au-dessus. Ah ça tire. Ah ouais ça tire ouais. Heureusement que Mimous prévient.
Ah putain, mais dans nos 6 y'en a plein, c'est quoi tout ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est des bots. Ouais, c'est des bots. Oui, oui, les bots. Parle. Évidemment, c'est des splits avec les bonnes mitrailleuses là. Attends. Non. Super. Et du coup, je disais, ils ont retrouvé un moteur de. Wouah! Il a défoncé Pimous le. Rien dans la mer. Non, il a ramé Pimous, rien à foutre, et voilà. Plus de Pimous. Non, je parlais de que vous avez rien à foutre de Willy, quoi. Oui, non, mais désolé, mais c'est juste qu'on est un petit peu en dog, nous, là. Non, pas de bug, hein. Willy, raconte une histoire, là, tellement ferme ta gueule, et puis voilà. Ah non, vas-y, Willy, allez. Tout le monde est mort dans mon équipe. Non, je suis encore là. Alors, qui c'est qui tombe en flamme, là? C'est une suite. En flamme? Non, pas en flamme. Non, je suis pas en flamme. Du coup, vous arriverez pas à Ford, là. Ah, je suis tout seul. Ah, du coup, moi je descends là, je suis sans un speed, je vais me le faire. Ah, il y a un speed qui a décroché. Est-ce qu'on rejoint vers vous là ou. Non. Parce que je vais peut-être pas pouvoir attendre encore 20 minutes que vous arrivez de Dieppe. Mais attends, je vais t'aider. Comment ça? Bon, je vais t'aider, t'inquiète. Non! Un moyen. Toujours un moyen. Tenez le. Quoi ces manœuvres de vol des IA quoi? L'IA elle pique vers le haut. Tu sais, elle est à l'envers, le nez en... enfin la tête en bas, elle monte comme ça. Et le speed il tient, c'est n'importe quoi. Ah bon, Eh bon, je l'ai eu. Et je suis blanc. Vous êtes où? Entre Bigging Hill et. Entre Wilmington et Ford. Plus du côté de Wilmington. Tu vois, regarde au loin, dans tes 6 là, t'as la terre qui se ravance légèrement dans la mer. Ouais. Bah t'as 5 points. Ah y a un autre speed, putain, mais il tire avec quoi? Non. Il y a une vraie piste là. C'est génial. Mais t'as un zoom, t'as quoi? L'habitude. Et il y a encore plus de speed, il y a au moins une dizaine de speed autour de moi. Moi, je peux te dire que mon PC ne rend rien du tout là-bas. Oh, c'est exagéré quoi. Que 8. Ouais, mais alors en tout cas, c'est 8 speeds qui tirent comme des dieux déjà. Parce que toutes les balles m'ont touché, y'en a pas une qui est passée à côté. Ah. Toi, t'es où là? Tu piques? Ah, je suis en train de crever. Ah, j'ai plus d'aile droite. Ah non, ça va. Ah, parce que moi j'arrive dans le tas là, mais. Voilà. on est tombé, on est passé à 1 km d'altitude là. Ouais, je vois. Tu vois, je vais tirer sur un seul mec, ça va être snack. Je suis étonné que mon avion tienne avec. Comment dire, malgré que ça fume blanc. Je vais retourner me poser en Allemagne nazie. De quoi? Tu les vois là d'ici? Ouais. Mec là, ouais, tu vois là-bas, là, le petit pixel blanc qui se déplace là. Comment ils font, putain? Je fais ce qu'on appelle des ciseaux et ils arrivent à mettre une balle en snapshot, tu vois. C'est mais toi, t'es Snacks, où qu'on a 3-4 derrière toi là? Mais oui, bien sûr. Viens, Willy, je sais même pas où t'es. Là, j'ai avancé un peu de votre bord. Tu vois la direction que je te disais tout à l'heure? J'ai avancé de quoi 30 km dans cette direction, même pas. Ok. C'est-à-dire 30 km. C'est-à-dire, si j'enlève mes yeux du contact, je vois plus rien alors. École de Ford, tu vas vers la mer. À gauche ou à droite? À la gauche. Voilà, à gauche. Tu longes vers Wellington en fait. Ok. C'est bon, Snack, tu peux dégager les deux qui étaient derrière. Il en reste encore un avec moi, mais j'essaie de me le faire, mais je tremble, hein. C'est impossible de voler, je tremble de partout. Oh putain, l'autre s'est pas écrasé. Ouais, t'as vu, c'est quoi ces IA? C'est des gods, hein? Des godlike? Ça, l'autre il a. Moi je pense que les IA de DC sont fumés, mais ça c'est quoi là? L'autre il a piqué là. Et tout, un speed distance à 109 là. Un 109 E1 qui pleusait, qui n'a aucun poids, qui a pas de canon. Et encore un 109, putain, ah oui. D'où ils sortent là, ils les spawnent dans nos culs à chaque fois exprès, je parie. Mais mec, ok, il faudra que je dise aux devs que ils enlèvent des IA comme ça. Le speed il est à l'envers et me suit en G négatif, hein, c'est pas une blague. Moi je me suis dégâté là, je vais essayer de me poser de part. Happy Moose, c'est toi la leader, c'est toi qui dois dire où sont les ennemis, nous on te suit. Ah, du moins c'est comme ça que c'est censé se passer.
Mais mec, mais d'où il sort lui? Voilà, et il va m'aligner là comme un lapin. Hop, voilà, et voilà. Adieu. Une instrument. Enfin, ils sont tous sur. Eh, je vole, hein, mais. Oh, tu sais, ils ont pas la config de Willy, du coup ils tirent à blanc, j'ai l'impression. Et ils touchent quand même. Bah attends, on arrive. Ah ouais, bah moi j'ai pris une balle, j'ai plus d'instrument. Bon, bah c'était. Un mouvementé cette fin de vol. Mais voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé quand j'ai rejoint. L'Angleterre pour la première fois, il y avait ça dans les airs. Ouais, bah il faudra dire au dev que c'est un peu fumé, hein. Et là, moi je suis juste au-dessus de. Il me voit de super loin en plus. C'est ça, il voit de loin, hein. Je suis au-dessus de Choram, là pour l'instant. Ah, puis il te loupe pas. Ouais. Loupé, je connais pas ce mot. Il est tout dedans. Bon, par contre, c'est vrai que leurs balles elles sont en carton. Ouais, voilà. Mais bon. Et même, je crois, je peux arriver à me poser chez l'ennemi. J'ai plus de pilote. Vous êtes encore à Wellingham ? Ah, les balles sont en carton. Ah. Alors je vais vous dire où je me suis posé, comme ça vous pourrez voir. Je suis à Shoreham, voilà où je suis. Non, attends, j'ai pas de bêtises. Shoreham, c'est un micro. Juste à côté de Ford, ouais. Ah, mais une nappe de fin tous ensemble. Ah non, mais ça veut dire qu'on s'est croisés ? Sans doute. Ouais. Allez, je repars de Dieppe. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais à quel avion je pars. Je suis désolé, mais je le prends. Mais je me mets dans le même serveur. Je pense qu'on est sur le même serveur parce que moi je vois rien du tout. Normal, il faut ouvrir ses yeux, mais t'inquiète, Willy il a un radar. Nous on voit rien. T'es sûr qu'on est sur le même serveur ? Non, parce que tu m'as dit que tu t'es crashé à Shoreham. Moi je suis juste à Shoreham. Alors quand je me suis crashé, j'ai pas explosé en flammes. Je me suis posé gentiment sans l'étreint. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai l'aéroport là en visuel. Enfin, la piste en visuel, il y a rien. T'es sûr que toi t'es à Shoreham du coup ? Est-ce que t'as des collines au sud de Shoreham ? Non, j'ai des collines de Ford. Mais je peux pas dire. Voilà, bah du coup, est-ce que t'as des collines là où tu te trouves ? Au sud de la base, vers la mer ? Oui. En quel avion ? Ah voilà, bah je suis dans les collines, entre la base et les collines. Ah, t'as pris un G50 ? Y'a vol ! C'est quoi cette merde ? Ah, Avanti plutôt. Jamais, c'est trop rigolo, faut prendre quoi, au moins une fois. C'est comme si tu prends une Vespa et tu fais le zoom avec, c'est limite ça quoi. Mais on est d'accord que Shoreham c'est juste une piste en terre. Ouais. Ouais bah oui, je suis bien juste au-dessus là. Et je n'ai rien vu. C'est super. Il faut ouvrir la... Comment t'as pas pu voir genre 10 Spitfire, 209, la flaque qui tire. Je suis sur le même serveur que vous parce que depuis tout à l'heure je rencontre rien. T'es bien sur Attack. Ah si, il est sur TV. Ah non, je le vois dans la liste, il est là. Genre là, je suis juste au sud de Shoreham et y'a rien. Là, on n'y est plus, bah du coup, toi va au sud et. Ah! Écoute, je vais suivre la côte. Alors, quand on prend G50, il faut gueuler contact quand on démarre. D'accord. Ça fait vum 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 vum, et puis pfff, et ça démarre. Et ça cale. Le speed marche bien. Je vais suivre la côte, mais. Yes. Le boost à 3, c'est trop. Ouais, laisse à 0 ton boost. Ouais, on dit contact parce que ça risque d'exploser, c'est ça, faut prévenir les autres. Faut mettre un peu de throttle, ça démarre le. Il faut mettre un peu de throttle avec le G50. Tu veux dire contact, tu veux dire fuyer. Tu sais qui disait qu'il était au-dessus de Shoreham là ? Hein ? Toi qui disais que t'étais au-dessus de Shoreham ? Bah moi oui. Oui, bah je suis en dessous de toi. Fais un demi-tour par la droite. En fait, le G50 c'est un petit peu le ISS des Italiens. Dégage ! Ah, on a un chien indésirable ? Yes. Attends, t'as dit que. T'es en dessous de moi ? Derrière toi en fait. Hein. Prise de haute température. Et le train sorti, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce match ? C'est grave, je vois rien, mais je sais pas si c'est parce que je suis aveugle ou. Ah voilà, 30 degrés ici. C'est tout à droite la température d'eau. Vas-y, fais demi-tour et descends. Et t'as le train sorti. J'ai pas. Mais putain ! On dit maman rentre tard le soir. Ah. Descends, dans quel sens pour le... Reste un quart d'heure, hein, on n'aura rien de temps de faire. Mais c'est une décapotable en fait cet avion. Mais oui, comme j'ai dit, c'est une Vespa avec des ailes. D'accord, c'est neuf. D'accord, je me suis dit Vespa. Ah, il y a un nouveau G50, allez, venez tous en G50 qu'on rigole là. Y a pas de robinet d'essence en fait déjà. Bon. Quoi ? Ah oui, en effet, t'as raison, j'ai fait le raccourci pour rien. Les deux speeds sur Shoreham, c'est vous là ? Oui. Le snacks, c'est bon. Enfin, j'ai mis les gaz à fond là, et ça roule. Ça roule, ça voilà, c'est bon, là ça roule.
Il y a une mitrailleuse dans le G50. Ça fait tac-attaque quoi quand tu tires. Ouais, mais dans en place arrière. Comment? Non, il y a pas de place arrière déjà dans le G50. Mais la manette de gaz elle a inversé quoi. Ah bon? Ah putain, oui, t'as raison, quand t'es à idle, les gars sont à fond. C'est bon, je vous vois. Oh non! On n'allait pas sur la piste, il y avait les trous de Igno tout à l'heure. Ouais, faut que je me touche, j'ai plus de trous de Igno. Salut! Non, il est marqué que j'ai explosé, mais apparemment j'ai survécu. Non, mais... non, tiens la manche, tiens la manche. T'es passé tout juste à côté du trou, mec, hein. Ils sont rétractés là, les. Landing gear ou pas? Attends, je te vois pas. Enfin, pas assez près en tout cas. Oh, les avions italiens, c'est éclaté. Ouf. Je te vois à ma droite. Putain, pourquoi je cale quand je monte les gaz? Un peu, pas trop, hein, mais un tout petit peu de throttle. C'est juste un cran de gaz. Ouais, ouais voilà. Ouais, mais pourquoi c'est... Pourquoi tu en trop bon, mais les chocks peut-être, bon, ça serait pas mal. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de les remonter, mais la lumière devient pas rouge. Ralentis alors, tu es peut-être trop vite pour que les moteurs... Ouais. Ça fait longtemps que tu les as comme ça? Ouais, alors peut-être qu'ils sont définitivement bloqués. Ouais. Ah non, c'est bon, il y en a un qui est rétracté. Ouais, hein. C'est pépé, plus l'autre. La température du moteur 40, alors c'est pareil, j'ai roulé à 30, le moteur a un peu galéré, mais c'est parti après. Ah si, lui il a une galère, ça y est. Lui il est à 15. Au sol sur Showgram, c'est Scarix. Ouais, je me suis posé, mon moteur est mort. Ah, ok. À l'habitude, j'ai mis du ça froid quoi. Il a l'air tellement rigolo cet avion quand même. Ah oui, c'est clair. Voilà, au bout de 5 minutes. En tout cas, la petite passe là, elle était jolie, hein, qu'il a fait là, je sais pas qui. T'es new? Non, je joue. Ok. Y a pas moyen de réparer le moteur, hein, on est d'accord? Non. Non. Il a décollé de où en G50? Dieppe. En France? Et c'est parti! Ouais, c'est en France, au-dessus du Havre. Yep, c'est en France. Carrie. Le mec, ouais, il connaît déjà même pas son pays. Quoi? T'as demandé si c'était en France? Yep. Pas français, c'est normand. Y'a pas de canopie en fait. Non, c'est décapotable, on le dit. Oui, oui. Oui, mais je pensais que tu pouvais la décapoter en ouvrant la canopie. Mais... Y'a un trim de roulis. Oh, merveilleux. Donc cet avion est bien. Meilleur avion du monde. Alors ils avaient déjà inventé le trim de roulis, les Allemands, les Italiens. Ouais. Les Italiens n'avaient peut-être pas la technique pour faire des bons avions, mais ils avaient le trim. Donc en fait, ce sont quand même des bons avions. Mais nous, on avait quoi comme avion, les Français à l'époque? Le D520 de Voitine. Aviez des Hurricanes. Le Surrender. Le D500. Édition. De deux voitines, D520, ouais. D comme la lettre Day. D comme D. Je crois que quelqu'un dans les 6, c'est qui là derrière Qui fait un virage gauche? Ah merde! Ah, j'ai tapé l'aile dans un trou. J'ai tapé l'aile dans le bord d'un trou. Ah ouais, on avait ça comme avant. Comme avant. Non, il ressemble un petit peu au Hurricane, ouais. Qui est en direct droit là? Il est pas super joli. Des mousses, c'est un flip-flap. Ah bah oui, c'est pas elle. Mais tiens sur quelqu'un, on va voir qui veut réagir. Attention, 3, 2 et 1. Tout dépend de l'esthétique pour gagner la guerre. En plus, ils avaient pas de canopie. J'ai eu la tête de pilote. Non, c'était bien Pimousse, je suis désolé Pimousse. C'était pour tout à l'heure. Vengeance. Je suis désolé, mais je voulais faire quand même. Ah, moi je voulais juste t'exprimer parce que Pimousse tirait sur la personne devant. Mais du coup, maintenant c'est moi qui tire sur la personne devant. Ouais, bah, c'est moi qui est devant. Ah bon, bah ça va, je tire pas dessus, je tiens la PS. Je suis gentil, Enyu est gentil avec moi. Donc je suis gentil avec Enyu. Tiens. Mets-toi en ligne droite, je te rattrape, je vais te tenir la PS. Il fait penser à un I-16, vous trouvez pas? Un gros I-16. Ouais. Moins agile, moins rapide. Ouais, et plus, tu sais, c'est le cousin des trisomiques, mais qu'on aime bien, quoi. Putain. C'est le cousin tardé de l'I-16.
Ah, je suis retourné à droite, Enyo, là. Je sais pas si tu peux voir de là où t'es, ça a l'air tellement mal foutu, la vue. Voilà. Bah si, on voit pas trop mal. Hein. Heureusement qu'on peut remonter le train d'atterrissage. C'est déjà ça. Oh, je suis désolé, Pimous, mais je... Oh, putain. Et heureusement, hein. Ah, mec, ma canopie est ouverte, et du coup, quand j'ai baissé le nez, la canopie s'est fermée. Tu sais, avec la gravité. Ah. Ouvre ta canopie. Regarde les portes et pousse le manche, regarde les portes se fermer. Oh merde. Bah, alors, pousse le manche. Ah oui. T'as vu. C'est bien foutu. Est-ce qu'on peut fermer la porte, Carl? Ouais, on peut. Hop, verrouillé. C'est comme quand t'es en bagnole et que tu fous un coup d'accélérateur. On peut voler à l'envers dans cet avion. Ah, il est à calé. Ah, il est à calé. Oui. Ah ouais, visuel. Ah, démarre vite fait, allez. Allez. Allez, crois. Ça redémarre. C'est bon. Allez. 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 Un coup de pied dedans. Démarre, bordel. Ouais, je crois que j'ai niqué le moteur. Il a redémarré, mais 3 secondes et demie. Ouais, c'était chaud. Ah merde, t'as fait boum. Là, par contre, ça explose direct. Hein. Ouais. Oh merde, Pibous, elle me menace là. Oh putain, je vais encore. Ah, mais j'ai des câbles de partout, c'est insupportable. Voilà, tu regardes la liste là. Donc, on est tous en bleu là. Ah, il y a Willy qui est resté rouge et qui là aussi. Hein ? J'entendais des moteurs tout à l'heure à Ford. Bon, du coup, Pimous va descendre. Merde, Ford. Est-ce qu'on devrait aller vers Wellington pour les attendre ou. Bah, je sais pas si on va voir du coup là. Ouais. On fait bah, là, on est ça fait même pas la pas de la manche ça. Non, je crois que. Si, mais dans le Pas-de-Calais. Du coup, on fait quoi? On attend que le serveur reboot, là, il reste plus grand chose. Ouais. Passer dans la hangar. Bon, il est chaud cet avion, hein. Merci. Bon, bah, tant qu'on y est, hein, on va autant décoller. On va rentrer à Ford tant qu'à faire en 15 minutes. Ouais, c'est faisable. On va décoller. Pas d'hangar là où on est. Rien à foutre. Merde, j'ai les flaps. Je veux dire les AF. Ah, je l'ai pas senti la Pimous. Je la renifle maintenant. Mais il me tire dessus. Ah, je suis désolé, je pense que c'était Pimous, comme elle réagissait pas et qu'elle me suivait de près sans rien dire là. Désolé, Crisy, Ifrit, j'arrive à le tirer. Toi, t'es gentil, quoi. Du coup, je suis au niveau de la côte à 1000 pieds. Vas-y, mets-toi à plat, Crisy, Ifrit, pardon, je vais venir dans ton aile droite. 1000 pieds, pareil, exact. À plat, Ifrit, à plat. Je t'ai overshoot, du coup. Bah, t'es passé à Eden ou quoi? Non. Je suis passé devant toi. Tu veux me tirer dessus? Je dégage. Non, bon, j'ai redémarré. Ah, bah, Ifrit, t'as perdu ton moteur? Non, le moteur est pas reparti. Ah non, il a éteint, d'accord. Repère, moteur. Problème technique. Ouais, il y a une moteur qui redémarre, et qui s'arrête, et qui redémarre. Ouais, je te vois, Skrex. Bon, un nom. Ah, c'est vieux. Ah, j'ai de l'huile sur ma calèche. Je pense que j'ai cramé ma moteur. Allez. Ah, il s'est pris tous les arbres. Ah, c'est triste. Ah là là, oh. Non mais à chaque fois genre je vois des trucs sur mon écran mais en fait je sais pas si c'est parce que c'est mon écran est sale ou si c'est non vraiment, c'est ton écran qui est sale, cherche pas, c'est... Tu verras là, Cliff c'est un bon jeu pour savoir si l'écran il est propre ou pas. C'est clair. Tu bouges la tête, si ça reste au même endroit c'est que ton écran est sale. Mon écran est en virage gauche vertical Dieppe qui là tu vois à gauche s'est mis à plat maintenant. Ouais.
Mais là ouais c'est juste un pixel pour moi. Salut. J'espère que tu vas pas faire ce que tu comptes faire. Non. Non, non, c'est pas du tout. Moi je suis. Ça, ça doit être Pimous là, je le sens. Vas-y Pimous. J'arrête de tirer si tu fais un flip-flap. C'est très classe. J'aime beaucoup. Et je suis aveugle. Je sais pas si c'était un flip-flap. Ouais, ça a l'air. Allez, c'est bon. Je ne tire plus. Ouais, je suis gentil. Je retiens ce que t'as fait en speed tout à l'heure. Ça ah, c'est ton gazou hein, c'est où les radiateurs là-dedans? Dans combien de temps le serveur reboot? Dans moins de 10 minutes hein, je dirais maintenant. Il disait un quart d'heure il n'y a pas longtemps. Que je sache si je rentre en avion, si je reste seul. Au milieu de mon champ. Ah un Pimous, il y en a un qui décolle là, on se le fait. Rip. Adieu. Adieu. Au revoir Scarix. Ah, un nez jaune. J'ai pas besoin de tirer. Ouais. J'avais pas vu qu'on était aussi près du sol, j'ai voulu tirer le manche vite et trop tard. Ah, j'ai vu ça. Écrasé dans les maisons. Ah non, ah non, faut pas décrocher comme ça. Allez, capture. Ah, le shielding que t'as fait, Kimous. Ah, on fait un ras du sol. Ouais. Allez, c'est parti, suis-moi. On appelle ça un TBA. Non. Ah, c'est Pimous qu'il a eu, même pas moi, quoi. Je crois que je vais l'aimer de plus en plus, ce G50, hein, pour faire besoin. Le Tiger Mode, en fait. Non. Ah. Bravo. C'est de la triche, je venais juste de décoller. Pas de mon côté, j'aurais pu faire un headshot. Ah mais Pimous ça fait un headshot, allez, il y a New, putain. Maintenant oui. Ah il faut attendre 2 minutes. Ah merde, c'est 2 minutes maintenant. Bon bah, à tout à l'heure, hein. Ouais. Eh bah, alors 120 secondes, ça va quoi. C'est le temps de faire pipi, caca, prendre à boire. En 2 minutes. Et caca en 2 minutes, quoi. Mais oui. Tout en même temps. Ah du coup, c'est cool parce qu'elle a eu le pilote, mais je peux respawn quand même tout de suite. J'ai quitté avant. Ah, tu c'est vraiment trop bien. Tu décolleras toi, toi. Oh. Je l'ai fait. Ah, mais lui, elle a cassé son avion. J'ai juste, tu sais quoi, je voulais arracher le winglet sur le phare. Ah merde, Pimous, non. Bah voilà, vengeance. Mais merde, il y a marqué j'ai tué Pimous maintenant. Ah, ouais. Le winglet. Ah d'accord, donc c'est ça le machin que j'ai vu se balader. C'est ça. Effectivement. Précision. Mais quel professionnel. Là tu vas dans les hangars, c'est ça? Non, on va faire un petit passage. Oh c'était dangereux. Ça, ça valait au tapis, ça. Non. Oh. Oh bah écoute, bien joué. Hein. Oh putain. Ah décalé. Ok donc c'est bon. Ah bah voilà, la mission va reboot là. C'était un peu dangereux ce que j'ai fait. C'est clair. Ah bah il va peut-être y avoir des 2-3. Ah ouais. Désolé pour Enyo, elle savait pas. Genre, je suis sûr là, une balle dans la tête, pouf. Tant pis si c'était Enyo. Et vu comment elle le disait, tu vois, c'est... On est tous sauf désolé. Ah non, elle est désolée que c'était Enyo, mais elle était pas désolée d'avoir tiré dessus. C'est ça. Allez, je me pose. Aïe, non. Oh sérieux. Oh il y a une position neutre du train, merde. J'espère que j'ai pas cassé le train à cause de ça. Aïe. Je crois que j'ai un peu bugué. Ah c'est marrant parce que quand tu tires, les aiguilles elles font n'importe quoi. Ouais tout tremble. Oh non, putain quand j'ai rebondi comme un tocard. Ah, et ça compte même pas j'ai comme... J'ai les gens qui tournent en rond au bord de piste. Comme tirallier. Ça compte même pas comme tirallier. Ah je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Non, parce que tu m'as quand même éclaté une aile, hein.
Oh, j'ai mis qu'une petite rafale. Plimousse devrait faire du ATAG. Bah, tout mon écran était rouge et mon avion était incontrôlable, mais ouais. Merci. De rien. Ça fait plaisir. La mission restart, ouais, bam. Est-ce que je vais réussir à avoir quelques 15 points? Ah, mais la mienne peut être bleue, c'est d'accord. Cependant, je pense que je vais devoir y aller. Non, déjà? On fait même pas ton X-Plane, là, le traquier vite fait avant? Je pense qu'il y a des gros trous sur les... Le traquier. Ouais, Willy... Ah, je crois que c'était lui qui parlait. Et je me reprends encore une bosse, bordel. Enfin, les trous que Enyu nous a fait gentiment dans la piste, là. Je me suis repris. Il y a trois énormes trous en plein milieu de la piste. Oui, mais quand t'as le nez vers le haut, quand tu décolles, tu le vois pas, hein. Mais pourquoi c'est moi qui ai fait les trous? C'était en Blenheim, non, tout à l'heure, sur Dieppe, c'est ça? Non, c'était pas toi, Enyu, à Dieppe? Ah non, j'ai pas pris de Blenheim ce soir. Ah bon, bah alors qui sait? Quand j'ai flingué un Blenheim au-dessus de Dieppe, il est marqué Enyu est mort, alors je pensais que c'était toi. Ah bah j'ai dû me crasher en même temps, mais... Ouais, ça doit être ça, mais putain, le synchro était clair, parce qu'au moment, ça fait boum, il est marqué Enyu est mort. Ah, allez, ça reset. Ça va, on reboot. Bon, moi je vous dis à la prochaine, du coup. Salut. À plus qu'il a. Ça va, allez. Bah, du coup, il est minuit. Non, il est 23h35. Allez, on peut faire encore un petit tour de fou là. Qui a envie de monter dans mon HE111? Hein? On tente un peu les bombes, etc. Tu veux rentrer dans la camionnette blanche de snacks? Il y a des bonbons. Des bonbons de 50 kilos. Des bonbons de 50 kilos. Ah, tu sais, les couilles de taureau, comme on dit là. Je sais pas si vous avez ça. Ah merde, je suis vieux. Ouais, on est tous vieux. On est cassé des dents là-dessus. En force d'essayer de les casser là. Même on les jette en par terre, tac, c'est le sol qui a pris cher. Ah, moi je me souviens surtout du fait de niquer ma langue très sévèrement. Oui. Parce que le truc. Ça finit coupant. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait du sang sur la boule et en fait c'était ta langue. T'existe encore ce truc là? Je sais pas. En tout cas, le chewing-gum, il durait 2 secondes, ça me dégoûtait. Alors, est-ce qu'on peut prendre... Bah là, il faut aller sur Attack pour prendre le... Vous savez quoi? On va sur Danger Dog... Non, Danger Dog, c'est on voit les gens. C'est mieux d'aller sur Attack, alors. Si on veut prendre le HE111 comme ça, on n'a pas de restriction de... Attends, je sais pas. Pyrus, on peut prendre le HE111 quand on débute? Faire un test. Allez, TWC, campagne, hop. Attaque, y'a personne. Pire, on va sur Attaque. Hein. Pimous a dit, Pimous avait dit oui, donc on va TWC, allez. TWC. Moi, je propose deux HE111. Là, qui a envie d'en piloter un autre en formation? Je veux même limite me dévouer, me mettre en PS sur vous en HE111. Allez. Ah, cool. Là, comme ça, on est deux. Du coup, où est-ce qu'on peut en prendre? Je parie qu'il y a Tramcourt, là, le classique. Campagne serveur, hein. Ouais. Eh ben, à Tramcourt, il y a le H2. Hop, c'est parti. Je vais prendre 50%, non, plutôt même 30% de fuel. Et en bombe centrale, ben, les 32 GP50, hein. Ah non, les 8x250, pardon, pour faire plein de dégâts. Et sur quel terrain? À Tramcourt. Okay. Mais c'est marrant, sur celui-là, il n'y a que des 50 kilos, là. Non, il y a les 250, là, 8x... Il n'y a même pas les 500? Okay. Ben, on est en H... Ah non, il y a pas les 500. Non, les 500 c'est en Junker 88. Eh bah justement, mais c'est bizarre que le 111 les ait pas quoi. Ah, je sais pas moi. Donc je répète, 30% de fuel, les 8x250, là le premier de la liste. Et du coup de snacks, je spawn. Alors prenez bien votre skin là, KGG51 Massilia là. Bah toi tu l'as Enyu normalement, hein, dans Penshin. Non, ça se connecte pas là pour l'instant. Ah bon? Moi je suis cockpit là. Hein. Ouais, moi aussi, ça met du temps. Je suis sur la map. C'est un truc là. Connexion interrompue. Et je vois ah, ça marche pas. Mais les autres, je ne les vois pas et je ne vois pas Snax. Ouais, je te vois, Crisix, t'es côté bleu. Fais la liste des joueurs là. Clique droit, netstat, et tu verras les gens. Je suis là. Tu l'as mis en multicrew ton Rankle? Ouais. Faut que tu spawns Rankle de ton côté et que tu pour pouvoir grimper dedans. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'attends que tout le monde est dedans, comme ça je démarre, hein. À ceux qui veulent monter avec moi. Alors, ou avec Enyu. HE111, H2. Oui. Le gros bon, avion. C'est un bimoteur? Non, c'est pas un bimoteur, tu rêves. Si.
Il y en a deux, il y a deux hélices. Mais non, mais en fait. Parce qu'il y a deux avions côte à côte. Il y a deux hélices. Il y a deux avions attachés, c'est ça. En fait, non, il n'y a qu'un seul moteur, l'autre c'est un backup au cas où. Oui, c'est ça. Non, mais il veut pas se connecter. Ah bon? Mais il est entraîné parce que le premier tourne. Voilà, c'est bêtement le vent. Bon, vous venez là! Allez! Alors, le carburant. Ah oui, je vois d'autres H111. Vous le démarrez le H111 ou vous voulez voler avec et pas monter avec moi? Ah, moi je. Moi je. H2 ou P2? Le H2. Je pensais qu'on voulait. Chevilly et Pimousse, bah y avait Skirup. Mais non. Enyo qui le prenait et les autres venant multicrew, j'avais compris. Moi je suis dans ton avion. Ok, bah y'a Pimousse et, Noct- et Willy avec moi. Vous pouvez le prendre, hein, ça me dérange pas, je pensais que vous vouliez en fait en multicrew. Vous, ah vous avez tous dit moi en fait, je pensais que c'était ça. Allez, je prends Gunner. Ah, ok. Bah du coup je démarre. Hein. Du coup vous allez tous être en. Bon bah je vais vous escorter. Tramcourt. Tramcourt, ouais. Qui tu peux monter limite Ifrit, tu peux monter dans l'avion des New. Mais je suis dans quel avion là H2. Alors merde, notre tracker qui fait chier. Looping, voilà. Et Soupimous dans l'avion de Snacks. Looping et Soupimous, pas mal ça. T'as pris combien en fuel? 30%. L'avion il va décoller, je vais rester au sol. Non, son jeu crash. Bon bah reviens Pimousse. Il y a que 8 bombes. D'ailleurs je suis déçu. Ah il y a pas plus que dans le Junker 88 hein. Ah non aussi il y a deux petites bombinettes en plus là. Ouais c'est vrai qu'après Junker il y en a beaucoup mais c'est que des 50. Ouais. Sauf les deux. Les deux gros là, ouais. Bof. Je peux pas prendre ça. Ah, je crois que je suis dans l'avion de Snacks. Ouais, tu viens de tirer. Oui. Snacks, il fait froid, mets le chauffage. Doucement, moteur chauffe. Puis tu te démerdes, t'es grand, hein. Bah, je vais faire un feu dans... je vais faire un feu dans laquelle tu vas rien comprendre. Y'a pas de radiateur d'eau là? Non. Je fais quand même par réflexe de raccourci, mais y'en a pas. Ouais. Ok, les artilleries. Vérifie ton propre pitch, hein, je joue avec pour bien le mettre. Oh, y'a que pas d'artilleries. Mais si, y'en a. Imagination. Je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de grand cliquet de quoi. Wally Gualou. Oui, comment on tournait déjà? Un moteur à la fois, voilà. Alors tu freines, tu te sexy en mettant du frein comme tu le fais avec les autres avions. Je suis dans ton avion. Hein. Pourquoi tu. Ah, tu veux tourner la tourelle? Oui. Ah, comme dans le Blenheim, hein, c'est pareil, tu contrôles haut pour dévrouiller la tourelle, tu vas l'activer et puis avec les flèches, tu maintiens les flèches pour tourner. Ah, mais comme je suis sur. Celles qui sont à l'intérieur. Ah, bah oui, bah là tu peux pas alors. Là tu fais F10 ou Alt C, je sais pas que. Enfin, le raccourci pour enlever la souris et prendre le contrôle comme ça. Bon, Pimousse, tu arrives? C'est loin à démarrer votre machin ou... Bah non, tu mets les raccourcis, tac tac, démarrer 1, démarrer 2, c'est bon. Ah, tu démarres le bimoteur, Ifrit? Non. Ah, vous l'aurez éduqué. T'as même pas besoin de mettre de gaz ou quoi avant. C'est... Ah, non, ce jeu... Et Skrix, il est là? Le mec, il est venu et il a même pas dit qu'il partait, quoi. Ah putain, ouais. Il a dû le dire pendant qu'on parlait. Non, il dit rien, c'est un mal élevé. Saloperie de démo. Voilà. Il est mené à la baguette par sa copine, ouais, je le sens là. C'est Skarix. Skarix. Elle crie trois ouais, pièces à côté au loin comme ça et la lui vient. Bien aiguë, Skarix. C'est ça. Lui il est là de loin là. Oui, Momoon. Momoon. Il est où mon massage de pied? De salin gras. Kevin, il faut des paillettes dans ma vie, Kevin.
Enfin là ce sera Scarix du coup. Scarix, assomme mes paillettes. Tu veux dire les parlettes? Non, les paillettes. Là il y a un poids lourd qui débarque là, 40 parlettes. Bon bah c'est chaud là non? De toute façon y'a pas besoin de le faire chauffer là. Y'a pas besoin de le faire chauffer, j'attends Pibouze en fait. C'est toi ma gauche je suppose, parce qu'on est, on est que deux là. Ouais, à ta gauche, hein, au loin là. De toute façon c'est simple, tu... j'ai la croix gammée. Sur la queue de l'appareil. Ouais. Ah, t'es un nazi? T'avais... Je suis camouflé, tu sais, c'est comme dans OSS 117 là, les Algériens nazis là. Je suis nazi, ouais, et alors? On met des flaps pour décoller? Alors, ouais, vu qu'on est quand même. Enfin, on est léger, mais je mets quand même toujours la sécurité, j'ai mis sur le 30, tu vois. L'indicateur est juste à gauche des trains. L'aiguille sur 30 à peu près. À gauche des trains? Et tu vois, les lumières vertes pour dire que les trains sont sortis là. Là où t'as les aiguilles pour le propre pitch, et ben en dessous. Ah, d'accord, okay. Voilà, c'est derrière le. Derrière le manche, ouais. Gauche. Ah oui, 32, oui, quand même. Alors 2500 tours, hein, le truc classique. Alors moi je mets jamais, faut jamais frôler 2500. Moi je suis entre 20 et 25, donc 2250. Ouais, là t'as 1.2 et ça passe tout seul, tu vois. Du coup tu peux déjà taxier, passe devant moi. Bah, y a la piste entre toi et moi, tu vois. Vas-y, ouais. Taxi là-dessus, je te rejoins. Si vous c'est grimper à bord, je peux taxier. Et sans les chocs, ça ira mieux. Ouais. C'est con, j'ai un peu trop baissé le son du jeu. Dis pas trop fort hein, quand tu roules, vas-y vraiment très lentement. Tu me dis quand il va et on met les gaz ensemble, comme ça on tient la place dès le début. Hein, parce que te rattraper après ça va être chiant sinon, il est chaud. Je crois qu'on a interverti nos places, Pimous et moi. Ah bah si vous commencez à courir dans le cockpit, hein, ça va pas le faire, hein, les enfants. On retourne et je donne des buffs à tout le monde. Hein. Bon ça suffit les enfants hein. Sinon on s'écrase hein. Mais... Je suis checked. Vas-y, aligne-toi sur la piste et je le suis. Bah allez, tourne. Bordel de merde, pourtant je mets des gaz que à droite là. Bah mets un bon coup là. Bon. Ah, je voulais faire ça classe, tu vois, mais en fait ça bouge. Ah. T'as mis les gaz à fond là, tu me dis Attends, je mets. Ah oui. Ouais. Mets les freins, garde les freins. Hein. Ouais, j'ai pas. Vas-y, vas-y doucement vers la droite et puis. Regarde, mets les deux tentes en même temps maintenant. Ouais, ouais, mais de toute façon j'étais déjà. En même temps, ma pédale de frein est cassée. Pimous dit qu'elle est dans le ventre. Ouais, elle est dans. C'est le lube. Allez, t'es quoi ici, ça fera. Allez, vas-y, go 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 go. Mais tout à l'heure, j'y étais en fait et quand t'es arrivé, j'ai changé de place et puis je me suis retrouvé à l'avant et peut-être t'as pris l'arrière. Atta, 1.2 pour moi. Attention, hein, les panneaux sont modélisés. Ouais. Mm-hmm. C'est ça que pour le coup, ouais, tu vois, poum. Oui, il avait raison, ce coup. Panneau en allez, hop, airborne, entre la manche. Moi, je suis airborne déjà. Oui, ça décolle bien, ce truc. On est ultra léger, on est qu'à 30% de fuel. Ouais. C'est de l'allemand, hein, Dodge Caïtad. Ah là, tu entres les voleurs, entre les flaps. Flaps sur neutre ensuite. Ouais. Et maintenant, faut faire gaffe à la taille et au moteur. Là, on est bien. Tu veux aller où tombe pour les bombes? Vers à gauche pour aller vers l'ouest, plein gauche. La boussole, elle est. Oui, salvo. Tout bouton rouge. Tu me mets un vent dès le début. Ouais. Ah, je transporte des gens avec moi là, ça se voit. Faites lourd. Tout le monde est dans les avions, il n'y a personne qui vole dans, tout seul, c'est ça? Voilà, stop de tournée, tu vas par là, c'est très bien. Ouais, je me suis fait niquer par inertie là. Donc là maintenant tu suis tu vas à droite et quand tu arrives tu verras un cours d'eau, tu le suis en fait vers la droite.
Ça mènera à la côte. On suit la côte jusque, tu sais, French Point. Et puis, on balance des bombes en Angleterre. Ouais. Oh là, t'es lent. Ok, je te rattrape. Bah, c'est bien en fait, t'as ralenti. Ouais, non, ouais, enemy plane, tu te fous de ma gueule. Enfin, ils sont loin, mais bon, quand même. Y22, là, c'est genre Rockinj et compagnie, ça. Je me rends 1.1. Ok, moi je suis 1.2 pour l'instant, ça je te rattrape. Rappé. Ah, si tu veux mettre 1.2 là. Maintenant il manque la musique allemande de la bataille d'Angleterre là. Il n'y a personne qui a la soundboard là pour la mettre. Et puis t'as le jeu, l'officiellement qui passe en voiture, qui fait l'inspection de tout la Henkel 111. Puis Göring qui vient, il est en mode genre ah Serkut, nous allons détruire l'Angleterre. Colonel, que vous faut-il pour gagner la guerre? Nous faut un escadron de Spitfire, mon commandant. Quoi? Me test se fait. Passe. Tout ça quoi. Alors tu vois, même si t'es à fond, ça donne 1.2, mais pas les gaz à fond, hein, réduit de manière à rester un peu en dessous quand même. On ne sait jamais. Puis ça me permettra de te rattraper parce que tu me distances l'air de rien. Où c'est la meilleure place du monde. Hmm. Je vais virer à droite pour suivre l'arrière. Elle voit que le bas en fait. Réduire tes gaz, reste à 1.1 du coup, et moi je te rattrape, je reviens avec 1.1 à toi. Je vais à droite, hein. Ouais, je te suis. Et comment ils faisaient pour tirer des bombes? Comment ils faisaient? Eh ben comme il faut. Et bah je peux pas te l'expliquer parce que déjà je vole et il y aura des raccourcis à mettre, mais c'est très très simple en fait. Ah oh bah tu le feras alors. De toute façon là c'est Gneux qui doit faire le boulot, puisqu'il est devant. Ah, c'est Gneux qu'on va juger alors. Et moi je fais en piqué, hein, peu importe ce que j'ai dans les mains. Là je suis à fond, j'ai raté 1.1 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Toi, c'est bon d'armonter 1.2. Je pense que c'est dû à la vitesse, tu vois, c'est le manifold pressure ça. Alors, pour avoir une bonne montée, on est là, on est trop loin, faudrait... Non, les savages, j'ai rien dit, on est quand même... ça va. En gros, il faut pas monter plus vite que 5 mètres par seconde, tu vois. Voilà, c'est très bien. 150 km/h quoi. C'est très très bien, c'est, ça fait la bonne montée perfo. Et du coup, ensuite il faudra mettre le superchargeur et puis voilà. Ouais. Et je pensais pas que c'était si lent, ça je l'avais jamais pris celui-là. Ah bon, bah si, hein, c'est comme ça. Il c'est un poil plus rapide. On sera à 300 à l'heure max quand on ira larguer, quand on sera en palier. Hein. Ouais. Ça va mettre du temps à monter à 300 à l'heure, tu verras. Oui. Déjà de monter, ça va être long. Le propeller, il n'y a même pas besoin de le toucher du coup. Ah, le propulse, si, il faut faire gaffe parce que plus on va monter, plus on va accélérer. Ah ouais, en montant. Et du coup. Là, pour l'instant, ouais, si, ça a pris un peu de. Si, ça a monté. Ouais. Là, je te rattrape. Là. T'as combien là, t'as, toi? 1-1. Ok, bah, je vais réduire pour rester à 1-1 aussi. Bah, je peux repasser à 1-2. Hein, ouais, mais du coup, si t'es à 1-2, t'es à fond et moi, je pourrais pas mettre plus que toi si tu me distances. C'est mieux que toi tu ralentis sa place. Ça vole tout seul ce truc. Ouais, c'est une baleine, ça vole tout seul tu vois. C'est ça. Ouais, limite vas-y, mets plein gaz à fond maintenant, top. J'aime bien, par surprise ça va, top. Oui, c'est parce que au moins on a la bonne. J'avais la bonne inertie que toi et du coup j'ai. Pourquoi je reviens à droite un peu, ouais. Réduit, je dirais à 3/4 gaz. Là, t'es à fond, bah mets à 3/4. T'as 3 tonnes. Ça commence à redescendre un petit peu. Là. De quoi qui descend la variomètre ou la vitesse? ATA. ATA? Ah oui, normal, c'est parce que. Par contre, je dois avoir un. Du trim, hein, si tu veux. Non, mais il vire à plat en fait. Et en fait, je chausse mon pédalier. Normal, on est lent, le vent nous pousse là. Pas de quoi c'est le vent? Faut voler en étant un peu penché à droite, c'est normal avec l'Henkel. D'accord. Et là, faut monter pas mal fort là. 5.
On était à plus que 5 à un moment donné. Ouais, 5-5 quoi. Pourquoi j'ai le serveur en faux? On monte chez... Non, c'est normal, dans ce serveur là, je sais pas. Peut-être c'est le patch qui fait ça, hein, mais normalement on a pas dans... Avant on l'avait pas, et c'est sans doute la petite mise à jour qui a fait ça. Je pensais que c'était que moi. Non, je l'ai aussi, t'inquiète. Je me suis même posé la question pourquoi il est marqué en bas et en haut. Tu me distances, hein, on voit que je suis sûr que t'es tout seul. Bon, après, moi je suis lourd, j'ai pas fait les ingés, tout ça. Ah, par contre, là, le 1-2, c'est. Je le tiens plus. Ouais, là on la tient plus, ouais, c'est pas normal. On reste comme ça, c'est très bien. Ah, mets 3 cargas parce que moi je suis à fond, je te rattrape pas quoi. Tu veux, je peux lui tirer dessus, hein. Comme bon, ça, je passe à 1-0. Comme ça, non, mais mets pas le, cherche pas le. Garde ta throttle à 3 quarts là à peu près. Ouais. Moi je donne à fond. Et en tour minute, t'as combien? Moi je suis à 2250. À 2300. Bon. Vas-y, je vais mettre un peu plus de throttle du coup. Pas de prop pitch. J'en tire le saucisson et le vin. Voilà. Ah, allez. On s'en souffle. Tu veux une tranche? Allez. Ah, je peux pas, je pilote. La fax? Ouais. Je le mets dans la boue. Je sais pas comment on dit en France, mais chez nous on dit je suis Bob, tu sais, le mec qui boit pas, qui mange pas, qui conduit. C'est Max. C'est Max en France, parce que chez nous c'est Bob. C'est Max? Ça dépend des régions. Celui qui ne boit pas? C'est ouais. C'est pas Sam. C'est Sam. Si, c'est Sam, j'avais déjà entendu Sam, c'est vrai. Max. Eh ben, vu l'Instagram de Sam, lui il est pas Sam du tout, hein. Lui là, quand tu le vois avec son commandant là, c'est hop, on s'enfile des bières. Plus c'est espèce de beau gosse, c'est que tu sais, avec les cheveux, la laque dans les cheveux, bien en arrière et tout là. Wow. Sûr, tu sais, ils iraient avec leur... Comment on appelle ces chaussures les chaussures en cuir pointu là que... Mais non, la merde. Vous voyez de quoi je parle là, avec... Ils font un peu bottine là, ils manquent plus que des éperons et c'est bon. Et ils mettent ça, pantalon noir, en mode genre, je suis pilote de ligne, mamzelle. Alors, t'es chez qui? Une grande compagnie connue. Allez, dis-le-moi. Elle commence par Raya et... Eh, je te parle plus. Raya... C'est ça, quoi. J'avoue, quand tu dis « Je suis commandant sur 747 chez KLM », là, ça change un peu, tu vois. Thomas Cook. Même Air France... Enfin, Air France, tu vois, tu dis Air France, c'est classique, mais... Mais dire que t'es chez KLM ou au British Airways, t'as quand même la petite classe du nom et du prestige là. Oh putain, mon Atar, il est monté à 1.4 là d'un coup. Ah. Je sais pas où vous êtes. Ah ouais, si je mets des gaz, ça monte un peu. Ah là, on est en train de monter. Ah bah tiens, on a quelle altitude? Ouais, bientôt 3000, hein, on va pouvoir mettre le superchargeur. J'ai l'impression qu'on est en train de voler en décrochant, t'as pas l'impression? Ouais, c'est ça. On peut le mettre, allez, c'est parti, jamais moi. Allez. Absent. Oh putain, mes tours minutes sont un peu montées là. Ça monte mieux, l'avion il a commencé à grimper là. Pas des masses, hein, mais en tout cas le nez a commencé à bien monter. C'est pas la violence. Oui, c'est pas évident. C'est pas flagrant, je veux dire. Mais tu montes plus facilement. Ouais. Ok. Vais-je réussir à vous retrouver? On arrive au-dessus de le Touquet là dans pas longtemps. On va mettre la semaine à traverser la Manche. Ça prend 40 minutes aller-retour. Fait plusieurs fois pour le chronométrer et 40 minutes à peu près. Oui, alors ça, tu fais des vols de 15 heures. Ah, j'avoue, ouais. Bah, j'ai fait Noctis en multicron, on est allé flinguer. Ramsgate et tout. Hein. Je lui ai expliqué le viseur et il a trouvé ça cool. Par contre, je pense que c'est un problème sur mon pédalier parce que je vire tout le temps à gauche. Là. Non, c'est normal, je vire aussi à gauche, c'est pas un problème de palo. C'est l'avion qui est comme ça. On a deux hélices qui tournent dans le même sens. Ouais. J'ai jamais compris. Enfin, si, les économies d'échelle, non. Oh, il y a des avions en face là. Putain, oui! Oui. D'horizon, des BF-110. Ah bah. Ouais, mais c'est pas ce que je veux dire, ça vient de la France. Là, ouais, c'est des copains. Ah, ça peut être des Anglais qui patrouillent là en mode on check les instruments, commandant, mais sauf que là ils sont 4 et pas tout seuls. Ah bah ouais, et Willy il est pas là cette fois pour dire il y en a devant à 40 nautiques.
J'avoue que là, j'étais sur mon téléphone. Le mec Oui, il est à Ford et il les a vus, quoi. Map n'est pas chargé qu'il a déjà les avions au sol, tu vois. Comme Karaya, c'est pire, il mouille son doigt et pouf, il s'en part là. En plus, je me suis bien positionné, tu sais, je suis sur la tourelle du haut, là. Elle est jolie, la toile du haut. Ah bah, tu vois tout, ouais. Sauf devant, c'est chiant. Alors, t'es en dessous de moi, donc ça monte bien, là. Vas-y, te me mettre des gaz, hein, si tu veux, Yo. Bah, je suis pas à fond, mais je suis à un point. Ah bah, je te suis, alors, je vais me ralentir un peu, parce que je risque de t'overshoot. Ah, je vais entendre à droite, si tu veux me voir, hein. J'ai 400 tours. Ouais, j'ai cru voir passer un truc vert, là. Ah là, regarde, je lève un peu le nez. Attends, ça mérite à dommage. Ça m'a mis un screenshot, parce que du coup, j'avais juste la queue qui dépassait, et il y avait juste la première queue. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vous êtes où? Le touquet, vertical, le touquet, à 3400 mètres. 3400, ok. Il a vraiment pris un 109. Oui. Ah, il lui a nous rattraper en 2-2, hein. Par contre, tu vas décrocher, toi, hein, tu vas pas pouvoir nous suivre, sinon. Ah oui, pour nous suivre, c'est compliqué. Il va avoir volé. Il sortira les volets, les trains, pour être sûr de pas tomber, quoi. De toute façon, si tu veux nous protéger, faut surtout pas que tu te mettes faut surtout pas que tu te mettes à notre vitesse, hein. C'est ça, tant que t'accélères, t'es déjà mort, hein. Oui. Faut que tu fasses des grands S autour de nous. C'est ça. T'as déjà vu les films, là, quand les 109 ils croisent et tout, là. Bah, il faut faire ça, voilà. Et bien au-dessus, si possible. Ah, ça mérite tellement des screenshots. Là, fais des screenshots, ceux dans mon avion. Ceux dans l'avion de lui. Moi? Ouais, je suis en PS sur Regno, là. Ouais, mais j'ai pas une vue extérieure, donc c'est... Ah, tu te mets en vue tourelle en haut, là, et tu tournes la tourelle vers la droite. Alors, tourelle en haut... Puis tu désaxes la tourelle, là, avec CTRL O, et puis tu la bouges, et puis tu peux voir, du coup, Regno à gauche. Enfin, dans notre côté bas-bord. Non mais je suis coincé dans la bulle en fait. Devant? Je peux pas avoir derrière. Ah bah change de place. Qui est en haut alors? C'est moi, mais j'ai plein des... D'accord. Au pire monte dans l'avion des Nios. Ah non, faut peut-être tu peux pas, je sais pas. Le 88 est quand même moins soporifique. Ah tiens. Oui. La toute première fois tu voles, tu te dis chacun quand il arrive. Les mecs en vrai quand ils font la neuve là, c'est comme dans le film là, Calais. Douvre. Benoît. Et là faut prop pitch, là j'ai du BC chez moi, Favigno, je suis pas. Je maintiens entre 2003-2004. Ouais. Ah, Pimousse elle est bien en bas. Ah bah Pimousse elle pourra directement s'éjecter, tu sais, elle détache carrément toute la nacelle du ventre et elle s'éjecte avec. Je vais commencer à virer à droite. Yep. Ah, c'est lourd. Ouais, le virage. Tu vois, il y a le T9, il y a le Beluga et puis il y a le H71. Ouh. Putain, j'ai mis le manche à fond à droite, hein. Et ça a rien fait. C'est ça, quoi. Même pas de palo, j'ai dû y aller avec le palo, quoi. Ah non, le peu de vitesse que j'avais, je l'ai perdu. Tu me distances. Ouais. Tu me distances. Ouais, je vais go peu, fast. Ouais, Pimousse là, comme dans Memphis Bay. Pas la peine de crier pour sonner les ennemis. On vous entend très bien, j'avoue. Quand il met le masque et que ça chuchote là. Et puis 30 secondes après, 109 à l'heure, 109 à 6 heures. Ils sont complètement tarés dans ce film. J'en ai eu un. Et pouf, il a scié en deux le Mary Patrick. Si je faisais un déclenché, ça donne quoi? Tu te rappelles d'une vrille une fois où on s'est retrouvé en vrille avec le Heinkel là? Je sais plus, oui. Interminable la vrille. C'est ça. C'est French Point là en face? Y'a vol. Ah, devant nous en tout cas c'est Little Stone, mais à droite là, on longe la côte, on arrive à French Point. C'est ça. On vise quelle altitude là? 5 km. Hein. Ah, c'est bientôt fini. Plus on monte, mieux c'est quoi. Ouais. À 5 km, c'est très très bien, ça fait quoi? 15 000 pieds.
et on pourra prendre de la vitesse. Et là, il faudra plus en accélérer, il faudra faire gaffe du coup au propre pitch et en plus à la vitesse, la VVI, là, la vitesse ascensionnelle, pour atteindre les 300. Et alors, t'as pas les mêmes raccourcis que moi, je pense, pour le PA. Ah, j'ai rien fait. Essaye le chiffre 4 et 6, tu peux avoir numérique et dis-moi si t'as le compas qui bouge par exemple. Le compas ? Ouais. Ouais. Tout seul ? Ouais ? Ok. Tu mets. Faudra que tu le fasses à la souris, t'as les molettes, tu vois, à gauche et à droite dans le combat. Faut que tu mettes la partie supérieure de la boussole d'en dessous, identique au cap de la boussole du dessus, tu vois, là, celle qui est. Ouais, voilà. Et ensuite, avec 4 et 6, pareil, tu mets tout identique en fait. Comme ça, quand t'activeras le PA, bien, c'est avec 4 et 6 du pavé numérique que tu diras au cap où tu veux aller, quoi. Il faut pas te tourner à fond et l'avion va tourner. En fait, tu dois le tapoter parce qu'il va pas tourner avec le roulis, il va tourner en donnant du coup de palo l'avion. Et pour activer le PA ? Alors c'est deux fois le chiffre, non pas le chiffre, le poids, pavé numérique. Le point du pavé numérique. Ah, et tapis deux fois. C'est pour mettre en mode, je sais pas quoi, et puis on. Steuerstrom, un truc comme ça, là en allemand. D'accord. Et ensuite tapis sur 0 du pavé numérique pour le mettre sur off. Je le mets pas tout de suite, hein. Faut d'abord avoir une bonne vitesse et une bonne altitude. Parce qu'en fait si tu le mets sans avoir la vitesse, l'avion va descendre en piquant bien fort. Pour atteindre les 300 à l'heure. D'accord. Et du coup il va se remettre ensuite à en palier une fois atteint les 300 à l'heure. Tu m'as distancé. On arrive à 5000, là je vais commencer à. Ouais, voilà, tu baisseras le nez. Et alors, ça va être un peu chiant, mais tu verras, travailler le palier avec cet avion, c'est un peu casse-couille. Mais une fois que tu atteins la vitesse, t'es content. Il faudra plus toucher à l'avion, quoi. Je crois que j'ai un peu trop dérivé là, non ? Fais des chemtrails ? Non, fais pas de chemtrails. Ah oui, reviens à droite, reviens à droite, longe la côte toujours. Ouais, je reviens un peu à droite, là, parce que là. Trop dérivé, je regardais pas. Et... Voilà, on est à 5000, même en temps palier, vas-y. Longer la côte vers French Point. On a dépassé la côte, on est pieds mouillés. Ah, tu vois les contrails, mais moi je regardais New, il a pas de contrails quoi. Bah non, il a pas. Ou alors c'est le moteur qui fume. C'est drôle de contrails, tu as les contrails grises. Hein. Est-ce que ton cockpit il. Non, je sais pas, en fait on est bon. Hein. J'ai toujours ce petit stress que le cockpit tremble, mais c'est tout à fait normal, tu vois. On est toujours en train de monter, Newfie. Mets-toi en palier. J'étais en train de. Découvrir. Et il fait que monter en fait ce truc. Ah, il faut continuellement baisser le nez, parce que plus tu vas accélérer, du coup tu vas augmenter la portance et du coup tu vas remonter. Donc faut continuellement baisser le nez avec le trim pour le compenser, tu vois. Jusque tu arrives à 300 à l'heure. Et ça prend du temps, hein, donc tu vas arriver à un moment donné à 270 comme ça et là tu seras stable. Ouais, puis mousse, je me gèle là-haut. Activer le réchauffage, hein. Le réchaud là. Ah ouais, mais moi je suis à l'extérieur carrément là-haut. Bah tu mets des gants, un pull et un bonnet. Ça continue à monter, Enyo. Artoon. Il y a vol. Artoon, un de mes groupes. Beau fighter. Par hasard, tiens, on prend des bombardiers, c'est des beau fighters. Mm. Était en 109 et en 110, c'était des speed, tu vois. Continue à baisser le nez, Enyo. Continue à baisser le nez. Ah là, ça a l'air d'être bien. Tu pouvais limite. Aucun repère visuel devant, du coup je sais pas si. Passer à droite, reviens à droite, tu t'arrêtes pas de tourner à gauche en fait. Regarde notre cap là. Va carrément au 060 là, tu vois. Ok. Bon, je reviens. Ne mourrez pas. Hein. Ok, ouais, ouais. Si tu peux un tout petit peu ralentir pour moi, le temps que je te rattrape. Je vais trop froid la goutte au nez. Ah, t'es dans la paroi, Ah, c'est bon, je vois. On est en train de remonter, New. Je rigole pas quand je dis faut baisser le nez, hein. Tu vois, on est encore en train de monter à 5 là. Garde vraiment ton œil, tu vois, sur le vario, hein. Tu touches plus à rien d'autre que le vario et le cap et ça va voler tout seul. Ah, ouais. Ah, évidemment ton propre pitch, hein, de temps en temps. Moi je suis à 10h45 là. Continue à virer droite là. On est à 3, on est au 3-3, donc vire à droite au 6, tu vois, au 060. Non, j'ai trop fait là.
Tom. Faut continuer, hein. Poussez. C'est... Je sais, c'est ah, chiant, mais. On va accélérer, toi, on a 220 à l'heure, en tout cas pour moi. Ouais. Pire, c'est mieux, tu sais, tu mets un peu en négatif, histoire de comprendre de la. Ouais. Anticipation. Bon, moi, il faut que je te rattrape, là, tu m'as bien distancé. Ah, il faut que tu ailles mettre une touche pour ouvrir et fermer. Le raccourci de base on-off il marche pas avec l'inconscient. On va mettre une touche pour ouvrir et une touche pour fermer la trappe des bombes. Ah. Donc là t'as le temps, hein, tu touches rien. T'as le temps de vite faire ça quoi. Bon, on verra quand il y aura le PA peut-être. Hein. Là on va déjà arriver en Angleterre. Là il y a je vois à gauche Wilmington, tu vois. Manque, tu fais un petit détour. Yeah. Ah putain. N'importe quoi. Ah bah y'a un copain qui l'a bombardé une zone copain et il a pris des points de dégâts. Enfin il a pris des répercussions. Tu dois mettre open bomb bay doors et close bomb bay doors. Hein. Moi j'ai mis CTRL B et SHIFT B tu vois pour bombe. Et voilà. Ouais mais là je peux pas lâcher là, l'avion est fait n'importe quoi. Bah mets ton PA alors vite fait. Donc tourne la molette pour mettre le même cap partout. Ouais. Ok. Après, je vais faire aussi. Attends, je vais me remettre. Techniquement on est au 0,25, un truc comme ça, 0,15. Tu montes grave hein. Là tu reviens à gauche, c'est normal. Bah ouais, je repasse au 0,60. 0,80 là. Hein ? Quoi ? Mais c'est à droite le 0,80. Bah. Regarde la boussole de tout en haut, elle est à droite, là on est plein nord tu vois. Elle a dit 0,70 hein. Attends, la boussole de tout en haut, elle dit quoi ? Il y en a trois, t'as celle à plat. Là, et t'as même le dessin de l'avion qui pointe presque sur 3-3 là, tu vois ? Ouais, d'accord. Là, voilà, bah c'est ça que tu dois prendre comme référence et caler les deux du bas sur celle du dessus, tu vois. Ok. Donc, celle du haut, c'est la référence. Celle du bas, c'est le cap qui doit être le même qu'en haut. Et alors, tout en bas, c'est l'indicateur que tu veux prendre comme cap, tu vois, pour le PA. Ah, je regardais celle du bas, moi. Ah non, celle du bas, c'est en fait, c'est celle que tu vas devoir bouger avec le chiffre 4 et 6. Avec la souris, tu cliques la. Comment on pourrait dire ça ? Bah, la molette de droite, tu vois. Là où il y a le petit point rouge dessus, tu vois. Ouais. Là, tu bouges ça pour bouger celle du dessus. Ok ? Ouais. Et voilà, tu mets pareil, 3-3. Ensuite, tu mets celle du dessous avec les chiffres 4 et 6. Pareil, 3-3, là, plus ou moins. Enfin, il faut qu'elles soient superposées, quoi. Quasiment identiques. Une fois que tu as tout ça qui est aligné. Tu peux appuyer deux fois zéro, là, pardon, deux fois le point du pavé numérique et le PA est branché. Alors tu touches à rien, l'avion va accélérer, donc tu vas devoir jouer des gaz et tout pour pas overshoot ton propre pitch. Ouais. C'est bon, t'as réussi ? Ouais, c'est bon. Voilà, bah mets le PA maintenant, deux fois le point. Ouais. Ça a marché là ? Je vois que ton avion est en ordre de descendre. Bon, attends. Allô ? Ah, je m'étais planté dans le... Ah. Voilà, c'est la journée fait de la merde, là. Ah, on est plein nord, on est d'accord. Hein. Tu mets les 3 sur N. Celle du dessus est sur N et deux en dessous sur N aussi. Ah, tu t'en sors ? Ah ouais. Ah, ok. Bah, dès que t'as mis le PA, tu me dis et confirme bien les petites lumières en haut, là, qui s'allument. Hop, j'ai appuyé deux fois. Il y a une bande de lumière. Ouais, en haut, les lumières. Ouais, voilà. Et alors, l'avion a commencé à bouger tout seul, c'est ça ? Ouais ? Pas trop l'impression. Enfin, je l'ai pas. Ah, il a. Comment dire ? Il a stabilisé l'avion, on va dire. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Vas-y, essaye de tourner un peu avec 4 essais du pavé numérique, voir si l'avion réagit à tes commandes. Ouais. C'est bon, ça a marché ? Ouais, c'est bon ça. Ok, vas-y, bah, va mettre tes touches du coup. Je vais essayer de te rattraper là. Alors, contrôle. T'as dit que c'était quoi ? Open bomb bay doors et close bomb bay doors. Tu vérifies la. Ah, je sais plus c'était quoi. Pour ouvrir et fermer. Alors, le toggle c'est contrôle. Ouais. Bah, voilà. Bah, mets close avec contrôle B et open avec shift B. Moi, c'est ça que j'ai mis. Close avec contrôle B ?
Ouais, tu enlèves du coup le toggle et tu mets close dessus, à la place. J'ai multiple contacts dans nos 5 heures. Ah. Salut Pierre-Yves. Ah, et ben voilà, plantage. Je vais planter ? Non ! Pas vrai. Arcoke ! Ah ! Pourquoi ? Ouais. Bon, bah, après, des fois, ça va être ça pendant un bon moment et après. Allez, flinguer du coup au Kinch qui est devant nous, hein, pour faire vite fait, bien fait. En plus, j'ai l'impression d'être le seul à avoir ça. Bah ouais, je piche pas. Ouais, je confirme, il y a un groupe de 2 ou 3 speeds dans nos 6, je dirais à 50 km. Et qui a ton place bombardier avec moi, de Snax ? Pimous dit contact bas multiple, 5 heures. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a au moins 3 ou 4 speeds juste au-dessus. Personne est en place bombardier, de Snax ? Non, je pense pas. Ok, je la prends pour régler le viseur. Ah, je peux pas prendre la place, quelqu'un est dedans. Chris-X. Ah oui, c'est Chris-X, c'est AFK. Merde. Chris-X ? Oui ? Tu peux quitter la place bombardée, s'il te plaît, il faut que j'aime le viseur. Ça, j'avais pas le temps de te l'expliquer. Désolé, je fais ça. Dankeschön. Mais alors, par contre, faut que tu saches que une fois que je l'ai pris, je peux pas le rendre, je deviens host des deux places, tu vois. Oh non. Non ! Pas grave, vas-y. Ah, du coup, j'ai pas la place bombardier vu qu'en fait t'es le bonhomme devant, t'es toujours le bonhomme dedans. Ah, mais du coup, il faut que je me casse. Bah, prends une place sur les côtés de l'avion là, tu sais, les limiteurs de côté. Mais je peux pas, je peux pas. Quand je fais left control C, j'ai que les places devant. Ah, bon, mais, bah alors. Attends, vite. Dis-moi si contrôle 7 et contrôle 1. Du pavé numérique, ça augmente et ça baisse l'altitude dans le viseur quand t'es en place bombardier. La vitesse. Il y a rien de texte bleu en haut normalement. Oui. Voilà, ça bouge quelque chose, ça dit ça bouge quoi ? Ça modifie la vélocité. Ok, tu le mets à 260 à l'heure. 160, c'est bon. Ok, maintenant avec 9 et 3, tu fais pareil pour l'altitude et là tu mets 5200. 5230. C'est bon ? Non, ça monte. Ok. Une fois que t'es dedans, t'es à 5230. C'est fait. Ok, tu fais Shift F1 maintenant. D'accord. T'as l'œil dans le viseur ? Oh. Hein ? Il y a un truc ouvert. Quoi ? Est-ce que t'as l'œil dans le viseur ? Shift F1, je l'ai dans le viseur, oui. Voilà, avec contrôle 2 et vite du pavé numérique, tu montes et tu descends la lunette. Tu descends la lunette jusqu'à ce que tu vois la base d'Okinch. Elle est devant nous. 2 et 8. Et ben, haut et bas, quoi, tu vois, 2 et 8. Pavé numérique. Ouais, ouais, pavé numérique. Bah oui, forcément, ça va pas être haut, c'est les autres là, c'est pas haut et bas ça. C'est pas ça. Ah, c'est pas mappé, merde. Va vite dans les options de touche. Et il faut que t'ailles mettre. C'est dans Aircraft. Aircraft. Hop. Et tu cherches. Increase, decrease, sight altitude. Là, il y a contrôle 7, 3, 9, 1. Tu dois avoir tous les autres normalement. Hein. Pad. Non, ça c'est l'autopilot. Même pas de contrôle. Ok. Increase, decrease. Sight, increase, decrease. Hein. T'as déjà des touches dessus ou pas? Sight, increase. Ah non, c'est altitude. On va faire demi-tour, on est passé au-dessus de Kinch. Attends, tu sais quoi, on va aller plus loin, on va aller à Manston, hop. Canterbury, tiens. Est-ce que t'as déjà des touches sur ces fonctions, ou t'en as pas ? Attends, je regarde. Bah. J'ai adjust sight left. Bah, là où t'as contrôle 1, 7 et 3, 9, est-ce que t'as d'autres trucs à part ces 4-là ? De mapper. Oui, j'ai tout en fait, mais. Bah alors, c'est que ça doit marcher, c'est que t'as pas dû affiler le bon truc. On va revenir dans le cockpit du coup avec la place bombardier.
On revient dans le cockpit avec la place bombardier, je suis sur le viseur. Voilà, et essaye, hein, donc contrôle 2 et vite. Oh, maintenant bien contrôle 2 vite du pavé numérique, ça doit monter. Ah oui, oui, d'accord, ça fonctionne. Voilà, et tu le descends jusqu'à tu vois, bah maintenant, bah tu n'auras pas de référence puisqu'on a dépassé Hawkinge. Donc regarde devant toi, prends n'importe quel point de référence, un bâtiment, une forêt, n'importe quoi. Là j'ai la forêt de Brocélian. Voilà, tu fais contrôle 5. Tu fais contrôle 5 dessus. Enfin dessus, tu fais contrôle 5 pour que le moteur se met en route. Et ensuite, avec le contrôle 1 et 7, tu règles la vitesse pour que la lunette bouge en même temps que le sol. Contrôle 5. Ça active le moteur de la lunette. Ça. Oui. Maintenant avec contrôle 1 et 7, tu bouges la vitesse pour que la lunette tourne en même temps que le sol qui défile. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le de loin, tu prends pas un truc qui est pile en dessous, sinon ça sert à rien. Faut le prendre d'assez loin. Genre 40 degrés devant, tu vois. D'accord, mais il va falloir quand même que je l'ajuste, c'est ça? Oui, c'est ça, le but c'est de faire en sorte que le terrain défile en même temps que le viseur, c'est ça l'objectif. Si tu le prends en dessous, c'est trop tard parce que le viseur va bouger et va s'arrêter parce qu'il est passé en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Il s'arrête quand le viseur passe en dessous. Donc il faut le prendre de loin. Il faut que tu baisses l'altitude, je sais pas pourquoi, on a perdu l'altitude, on est à 5140 là. L'altitude c'est... 3 et 9. 3 je crois. 3 et 9, bah 2 et 8 c'était pour monter et descendre le viseur. En fait c'est simple, imagine c'est comme un viseur, tu as ZQSD, 2, 4, 6, 8, c'est pour bouger la viseur. Et combien? De 5140. 5140. Ok. Voilà, et maintenant recommence, prends un objet au sol, vérifie que le terrain défile bien en même temps que le viseur. Ensuite tu essaies de choper au loin devant, tout au loin où t'as la baie, tu sais, où t'as Manstone et Ramsgate, essaie de reconnaître le terrain. On arrive dessus, hein. Si tu le vois pas, je sais pas comment tu vas faire. Mais devant, dans la baie, tu as normalement les deux bases de Ramsgate et Manstone. Et dis-moi si on est dessus. Et alors c'est à toi de me dire si je dois aller un peu à gauche, un peu à droite maintenant. Bah ce sera plus sur la droite je pense. Tu sois sûr, hein, parce que si je touche au cap, on perd de l'altitude à chaque fois, il faudra le régler. Oui, c'est plus sur la droite. Ah ok. Et alors faut que tu mettes l'armement des bombes, donc tu fais CTRL W. CTRL W. Neutral. Off. On. Master Arm on normalement. T'es bon, t'as Master Arm on? Ouais. Ok. Ah, dis-moi pour la base là maintenant si t'as une base devant et tu me dis quand c'est bon. Si on est dessus ou pas. Alors tu vois la flèche, le nom du truc arc de cercle à gauche là avec tous les chiffres et tous les trucs. Tu vois, t'as des flèches, quand tu montes et tu descends, tu fais bouger une flèche, on est d'accord. Long ouais. Ce truc. Et ben quand cette flèche est pile à l'horizontale à gauche, c'est à ce moment-là qu'il faut larguer. D'accord ? D'accord. Bon, est-ce que tu vois du coup les bases, corrige-moi le cap et tout. J'en vois une, ouais, qui est légèrement sur la droite. Ah, ok. Dis stop, hein, il faut être pile dessus. Manstone. Ah, peu importe, hein, on flingue. Alors là, on va arriver sur Manstone, c'est ça. La piste en terre battue, là. Non, en il vert. Y a quand même une ouais. Ouais, elle est verte, c'est ça. Oui, elle est piste, mais elle est verte, en terre battue, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, bah, règle bien le viseur, hein, comme je disais, fais en sorte que le moteur défile en même temps que le terrain, et dès que ça arrive à l'horizontale, la flèche, tu largues. T'as un bouton pour larguer, hein. J'ai juste appuyé sur 5 pour ça, et ensuite, tac. Contrôle 5, ouais. Tourner ou pas légèrement là? Faut pas tourner le viseur, c'est moi qui dois tourner l'avion. D'accord, donc tourne sur la droite, s'il te plaît. Et c'est pas un TGP, hein. Et stop. Le terrain défile bien maintenant ton viseur. Légèrement sur la gauche. Je vois des cibles au sol donc. Cherche pas à prendre des cibles, faut viser le terrain là, on n'est pas là pour faire de la précision. Ah, je vise la piste, d'accord. Non, vise n'importe quoi, en plein milieu du truc, tu vois. Le but c'est pas de choper un truc en particulier. Ça va chauffer. Bah, il va falloir larguer vite, hein. Descends l'altimètre à 5130. La flèche qui est là, faut qu'elle soit horizontale, d'accord. Ouais,
ça passe l'horizontale quoi. Faut pas être en dessous ni au-dessus. Quand t'es en dessous c'est trop tard, on a raté. C'est comme la DLZ quoi, voilà. Donc faut que ce soit à... Ah ouais, on est bien là. On peut le décaler légèrement sur la gauche. Là c'est trop tard en fait, hein. on est vertical de truc, si je peux tourner. Et ça servira à rien. C'est ça normalement. Bah maintenant si on arrive à l'horizontale, faut que tu largues. Hein. L'eau ? Ça veut dire pas ? Bon, j'ai largué de mon côté, est-ce que ça a largué ? Quelqu'un peut confirmer si ça largue ? Parce que moi j'ai pas de truc, hein. Je suis place pilote. Et il faut le dire quand on largue, hein. Si t'appliques, tu dis rien, je le sais pas non plus. Mais je sais pas si. Pas du tout si. Très Pimousse en place ventrale peut confirmer que des trucs sont tombés ou pas. Bah c'est Pimousse. Pimousse est tombé ? Merde. On a largué Pimousse ? Pimousse c'est le 10C. Bah c'est une bombe. Dans le 6. C'est génial. Ah ! Contact 4h. Ah. Oh ! Wouhou ! Ah, il y a une bombe qui vient de me passer devant, tiens. Une bombe ? Ouais, il y a une bombe qui vient de me passer devant, elle vient de tomber. Bon. Échec de la mission. La bombe, elle nous a overshoot, chef. Et what ? Quoi ? En fait, quand je change de place, les bombes s'en vont. J'ai largué des bombes depuis ma tourelle, quoi, mon... N'importe quoi. Allez, on va ramener l'avion, tant pis. Mais what? C'est quoi en haut à droite là? C'est des contacts ennemis, ils essaient de nous flinguer. En haut à droite? Ah non, c'est que des Rikiniya ça qui essaie de nous flinguer. Il y en a 7 en tout. Bah t'auras pas le retour à faire, c'est déjà ça. Bon bah lui il ira pas loin lui. Je suis pas sûr. Heureusement qu'il tire pas, hein, avec notre config. Oui. Sheriff, je te fais remarquer qu'il ne faut pas larguer les bombes quand on est sur le dos. Oui. Ah, ils ont pété nos indicateurs, on a perdu le moteur 3, a priori. Ah non, ça va, j'ai rien dit, le prop pitch il est bon. Ah, ton moteur gauche fume. Ouais, non, mais je regarde mes indicateurs, en fait, ils me disent de la merde. Ah oui, le moteur gauche, oh, le putain, le moteur gauche, ouais. Ouf. Pimousse s'est éjecté, ça commence bien. Bon, mais... Peut-être que t'as le message Hatch Jettison, tu vois. Tape la carrosserie, c'est ça. Physics s'est éjecté aussi. Non ? Ah, bravo. Non ? Bah, il est marqué Crisix a des. Je sais pas quoi là. Ok, je retrouve. Où est la Côte de France ? Enfin, je crois. Du coup, je peux pas prendre la place à l'arrière. Ah bon ? Bah non, c'est éjecté. Bah non. En fait, tu prends pas la place, tu prends le contrôle du bonhomme qui est là, en réalité. Et tu changes de personnage. Allez. Ah, moteur gauche a dératé. Quoi ? J'ai damage l'aircraft. Bah ouais, tu tires dans mon avion. Ah, c'est pas bien. Mais regarde, Sicilia, là. Heureusement qu'elles font pas de dégâts, hein, quasi. Droppé depuis la place bombardier vers. Ah oui, il passe devant mon viseur. Putain, quoi, t'as vu ça, comment il nous fait un face à face là ? Deuxième le fait aussi, attention. Waouh ! Ah, mais on va mérir, j'ai l'impression. Bon, on peut planer, hein. On va peut-être rentrer la soute. Voilà, et depuis tout à l'heure, elle est ouverte. Allez hop, j'achète le PA et je reprends les commandes en main. C'est de planer. Oh mais cassé où ? Ah mais on est en Angleterre ? Bon, on va se poser en Angleterre, hein. Allez. On a la côte anglaise juste en dessous de ma droite là. Mais comment ils volent ? T'as vu ça ? Les IA sont folles quoi. Ah, j'ai été touché. Ouais, moi aussi en vue rouge.
Non, il est passé devant mon viseur, j'ai pas de... Pourquoi j'ai endommagé l'avion, c'est incroyable ça. Wouah! Wouah! Il nous ramait! Allez, on s'éjecte! Allez, contrôle des deux fois et contrôle E. Contrôle des deux fois. Ah, il a eu le pilote, j'ai pas eu le temps. Je crois que j'ai réussi. Je crois que je suis mort. Bah, moi aussi, il a. Pimous, elle, elle est vivante à s'éjecter. Putain, est... c'est ça, c'est des sauvages quoi! Hein. Elle s'est éjectée il y a 15 ans déjà. C'est pas grave, elle. Elle va bouffer son cachet là, comment ça s'appelle? La cyanure, hein, et voilà, elle sera encore en vie. J'espère ça donne pas du tout envie de vomir, hein. Merci à tous. Je suis en train de tomber, tourner sur moi-même. T'as pas de parachute? En diagonale. Bah non, mais je suis mort. Je suis mort, mais j'ai réussi à m'éjecter en étant mort. J'arrête Cliff, moi j'ai eu ma dose. Hein. Ah, c'est bon. Il a sorti un truc. Quoi? Pourquoi je fais un looping? Non? Non? Ah, parachute fail to deploy. Ah, je suis pas mort. En tout cas, ton parachute ne s'est pas ouvert. Ce qui n'est jamais bon signe pour ton espérance de vie. Plonge, hein. En forgeant qu'on devient forgeron. C'est en dogfighter qu'on devient un dogfighter. Ouais, c'est en mourant qu'on devient mort.